mesdemoiselles et messieurs, merci de nous rejoindre sur Gulf TV Africa pour votre émission, Ma part de vérité de ce dimanche, qui va débattre de la thématique suivante, Covid-19, opportunité ou problème. Nous recevons à l'occasion coach Patrick Armand Pouillon, qu'on ne vous présente plus. Il est professeur émérite de coaching intégral, président de l'association FIAD Monde, président de l'ordre des coachs en développement intégral, président également, président directeur général de ATQMSA. Pour m'en arrêter là, comment va le coach Pouillon, l'association FIAD Monde et le coaching intégral, coach Pouillon. D'habitude, on dit il y a 2 jours, mais j'ai envie de vous dire il y a 1 an, coach. Et je dirais il y a 1 mois de plus. Bonjour, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous. Il y a longtemps qu'on vous a reçu sur Gulf TV Africa. Oui, il y a longtemps que je suis arrivé au Bénin. Ça fait pratiquement 6-7 mois que je n'ai pas mis pied au Bénin. Ah, ok. Donc, c'est pour ça. D'accord. Juste avant d'aborder la thématique du jour, je propose que nous jouions une petite vidéo. Ok. Et on revient après. J'espère que la réalisation nous accompagne. Merci. Démembré des pays, je t'ai cherché quand j'ai vu des enfants martyrisés, meurtris, exploités. Je t'ai cherché quand j'ai vu des femmes violées, battues ou maltraitées. Je t'ai cherché quand j'ai vu le pauvre ou l'étranger, rejeté, humilié, désemparé. Je t'ai cherché quand j'ai vu la terre trembler et les eaux tout emporter. Je t'ai cherché parmi les morts et les vivants, parmi tous ceux qui souffrent, qui luttent et qui espèrent, parmi tous ceux qui rêvent ou qui n'ont plus d'espoir. Je t'ai cherché, Seigneur, dans les décombres de ma vie, dans mon malheur, dans ma peine ou ma tristesse, dans mes échecs et mes impasses. Je t'ai cherché sans savoir que tu m'avais déjà trouvé et que la vie allait devant et que la voie était ouverte. Vivant parmi les vivants, tu es venu vers moi comme un mendiant. Tu m'as délivré de mes angoisses et de mes doutes. Tu m'as donné la main, tu m'as ouvert la route. Tu m'as remis debout et tu m'as dit d'avancer et de marcher. Il y a toujours un chemin, car Dieu nous donne une espérance. Voilà, j'ai été emportée hein, par ces belles paroles, ces belles images. Mais il y a une phrase qui a attiré mon attention, qui a retenu mon attention, c'est « Je te cherchais sans savoir que tu m'as trouvé ». Coach Pouillon, c'est assez fort. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, nous faisons beaucoup d'efforts. Nous cherchons un Dieu trop haut, trop loin, alors que Dieu est proche de nous. Il est avec nous, il est en nous. Il a besoin simplement que nous puissions savoir par où regarder pour le trouver. Il nous a trouvé. Mais nous avons passé tout le temps à le chercher. C'est une erreur. Les gens souffrent parce qu'ils n'ont pas su où chercher. Ce qu'on cherche ailleurs est à l'intérieur de nous. Il y a un grand voleur qui voulait voler un diamant. Le monsieur a acheté son diamant et il était là pour voler. Alors le monsieur est parti sur son chemin pour rentrer chez lui. Le voleur l'a suivi partout. Et ils sont arrivés finalement chez lui à la maison.
Et le voleur dit, bon, là, tu m'as eu. Je n'ai pas pu voler le diamant. Mais mon niveau voudrait que je puisse quand même savoir comment tu as pu m'échapper. Et il dit, le diamant que tu cherches, je l'ai déposé dans ta poche. Je sais que tu vas m'amener ça ici parce que tu vas me suivre tout le temps et tu vas chercher partout, sauf à l'intérieur de toi-même. C'est pour ça que j'ai mis ça en toi. Le voleur avait le diamant et a poursuivi l'autre à la recherche du diamant et lui a amené le diamant chez lui à la maison et il a pris dans sa poche. Il dit, je savais que tu vas m'amener ça. Bref, nous avons Dieu en nous, mais nous cherchons un Dieu trop loin. Nous cherchons un Dieu trop compliqué alors que Dieu est simple. Il est dans le quotidien de tous les jours. Même les gens disent qu'ils ont des gens ont reçu des visions pour eux. Non, Dieu parle à tout le monde. Tu as besoin simplement de te concentrer pour l'entendre. Il parle à tout le monde. Bref, Dieu est aussi simple que ça. Et si nous avons compris où le trouver, nous allons le trouver et nous aurons une vie facile. Je reconnais que vous n'avez jamais cessé de nous le dire hein, sur ce plateau de Gulf TV Africa. Alors, coach Poyon, je vous ai présenté tout à l'heure comme étant président de la FIAD Monde. C'est quoi la FIAD Monde et comment se porte l'association? Très bien. L'association FIAD Monde, c'est une association qui prône le coaching. C'est-à-dire, vous savez, le coaching est un métier. Il faut apprendre le métier pour l'exercer. Mais si tout le monde doit devenir coach, vous voyez que beaucoup vont n'auront pas la possibilité de l'utiliser. Alors, l'association FIAD Monde a été créée pour populariser le coaching, pour mettre le coaching à la disposition du bas peuple. À travers quoi? Déjà, les rencontres hebdomadaires. Une fois par semaine, dans au moins 30 à 35 villes dans le monde, il y a une rencontre où des hommes et femmes se réunissent, où un étudiant peut venir s'asseoir à côté d'un ministre, où un simple artisan peut venir s'asseoir à côté d'un grand professeur d'université. Bref, c'est une rencontre qui se fait au cours de laquelle des coachs maintenant viennent partager des expériences, des témoignages pour édifier le bas, pour édifier tout le monde. Donc, c'est une association qui permet de vivre le coaching au quotidien, qui permet aux gens d'avoir le coach Poyon gratuitement comme coach. Parce que si tu es membre de l'association, tu as le droit d'accéder au coach par rapport à tes préoccupations pour t'aider à divers niveaux. Donc, bref, c'est une association comme ça. On avait 22 000 membres. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte que nous avons des membres, mais beaucoup plus de figurants. Et donc, nous avons fait une réforme au début de l'année où nous avons dit zéro membre à partir d'aujourd'hui. On a mis tout le compteur à zéro. Désormais, voici les conditions qui permettent clairement de savoir qui est qui et qui fait quoi. Aujourd'hui, on en a 700. Mais 700 membres qui font plus d'impact, plus de résultats que 22 000 membres. Parce que c'est des hommes et femmes qui ont décidé librement de respecter les nouvelles conditions. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'innovations. Vous voyez par exemple la ville de Cotonou. Il y a désormais de 13h à 14h tous les jours au siège, la clinique de la santé, où des gens viennent, ils font de la programmation et après, ils prennent des compléments alimentaires. Pour se soigner, où nous sommes en train de guérir le peuple, le bas peuple, c'est ouvert. C'est tout le monde, c'est pas même seulement. Quiconque a envie d'avoir la santé, à qui on a déjà distribué cancer ici, distribué ceci ici, distribué diabète ici, peut aller et retrouver sa santé là-bas. Et surtout, on va me dire, est-ce que c'est pas du charlatanisme? Allez, vous allez rencontrer des médecins, vous allez rencontrer des médecins dans tous les domaines, des cardiologues, des choses qui sont à la clinique de la santé pour profiter de ces moments-là. Ça a commencé à Cotonou, ça va commencer dès demain soir à Parakou, ça va commencer à Lomé dès demain soir. Après, bientôt, ça va commencer à Boïkon où il y a des rencontres hebdomadaires, à Porte-Novo où il y a des rencontres hebdomadaires les mercredis, à Djougou où il y a des rencontres hebdomadaires, à Parakou, ainsi de suite. Bref, au travers du monde, c'est une organisation qui prône la vie dans tous les domaines. Nous allons discuter de cette émission, du thème, et beaucoup vont comprendre que aucun ambassadeur de développement dans le monde n'a eu affaire à coronavirus. Aucun, pas un seul n'a eu affaire à coronavirus. C'est une disposition mentale qui a été installée dès le départ. Mieux, coronavirus a apporté plus à chacun de nous qu'avant coronavirus. C'est une belle opportunité dont on parlera tout à l'heure. Et c'est quoi les nouvelles conditions pour être membre de la FIAD? Très simple, il faut payer 75 000 francs à l'adhésion et payer 35 000 francs tous les 3 mois. Beaucoup de personnes ont pensé que bon, où est-ce que je vais trouver l'argent? Non, non, la FIAD va t'aider à trouver l'argent. On a plein de mécanismes pour permettre à chacun. De toutes les façons, nous avions 22 000 membres en majorité pauvres. Aujourd'hui, nous avons 700 membres. Il n'y a quasiment pas de pauvres dedans. Donc vraiment, c'est pour dire qu'il y a une disposition. Donc, bref, c'est les conditions simples. 75 000 francs à l'adhésion, 35 000 francs tous les 3 mois. Avec tous les dispositifs. Actuellement, par exemple, nous avons fini la formation des membres. Nous sommes en train de faire la formation des managers
Parce que tout membre doit être un leader pour impacter sa vie et la vie de ceux qui l'entourent. Donc, nous avons commencé la formation des managers. Ensuite, nous allons former encore ceux qui animent les rencontres hebdomadaires, ceux qui animent les conférences. On va les former parce qu'aujourd'hui, vous allez dans n'importe quelle rencontre hebdomadaire au travers du monde, vous avez le sentiment que Coach Puyo est là parce que le niveau a été élevé. J'ai dit que je vais battre Nelson Mandela sur le fait qu'il n'a pas formé de dauphin. Moi, je laisserai des gens plus forts que moi. Et c'est pour ça que nous continuons ça. Donc, bref, aujourd'hui, celui qui adhère à l'organisation gagne beaucoup de choses. Mais je voudrais préciser ceci, ce n'est pas de la publicité, non. À partir du 31 septembre, de la fin du mois de septembre, nous avons décidé d'arrêter les adhésions jusqu'au 31 décembre. Parce qu'on veut s'occuper correctement de ceux qui sont dedans avant de prendre de nouvelles personnes. Il ne doit pas y avoir un seul ambassadeur de développement qui manque de quoi que ce soit. Je veux parler de mariage, je veux parler d'enfants, je veux parler d'emploi, je veux parler de finances. Personne ne doit manquer de quoi que ce soit. C'est pourquoi nous avons dit, nous arrêtons les adhésions à la fin du mois de septembre pour pouvoir nous occuper de ceux qui sont dedans correctement jusqu'à la fin de l'année. Et début de l'année prochaine, nous allons ouvrir encore les adhésions. Une organisation sérieuse s'occupe d'abord de ceux qui sont dedans avant de prendre de nouveaux membres. Comment va alors le coaching intégral, Coach Puyo? Évidemment, vous ne pouvez pas faire la réforme des ambassadeurs de développement sans faire la réforme du coaching intégral. Pour la simple raison que c'est le coaching que nous utilisons. Et donc, aujourd'hui, nous avons érigé le coaching en science. Plus personne n'en doute. Nous avons identifié les 9 domaines du coaching. De toutes les façons, aujourd'hui, sur chaque domaine, on sait comment faire. Il n'y a pas 1000 manières d'avoir un emploi. Ça, là, c'est clair. Aujourd'hui, on sait comment partir du chômage pour avoir un emploi. Il n'y a pas 1000 manières de devenir riche. On sait comment partir de la pauvreté pour devenir riche. Il n'y a pas 1000 manières d'avoir la santé. On sait comment partir de la maladie pour avoir la santé. Donc, les 9 domaines du coaching sont tracés, codifiés et très clairs. Ce n'est pas tout. Vous savez, d'habitude, on me présente ici comme leader du coaching africain. Et tout à l'heure, vous avez vu déjà dans la présentation, c'est coaching intégral. Parce qu'on a élargi ça au plan mondial. Aujourd'hui, nous avons des coachs en France, en Belgique, en Allemagne, au Canada, aux États-Unis, au Brésil, un peu partout dans le monde. Le coaching que nous prenons s'est étalé partout dans le monde. Pourquoi? Parce que c'est le seul qui a été érigé en science, qui a été clair. Aujourd'hui, il y a des articles scientifiques. Aujourd'hui, vous pouvez l'article scientifique sur le coaching intégral qui est libre, disponible sur Internet, qu'on peut télécharger. Vous avez ce qu'est le coaching. Vous avez les 9 domaines du coaching qui sont tracés avec comment utiliser chaque domaine. L'éducation parent-enfant, relation homme-femme, tout ça là, c'est codifié. C'est le coaching qui permet la vie. Mais Teresa allait dire, c'est à travers nous que Dieu aime le monde. Donc voilà un peu le coaching. Et ce n'est pas tout. Nous avons fait la réforme de l'ordre des coachs. Nous avons restructuré l'ordre des coachs. Nous avons sorti de nouveaux tests de l'ordre des coachs. Nous avons déposé les tests pour avoir un autre récépissé parce qu'avant, c'était l'autorité de régulation du coaching africain. Mais nous avons évolué vers l'ordre des coachs en développement intégral. Donc tout ça là est fait de manière à ce que, en plus de l'ordre et de l'association Fiat Monde qui a été mise en ordre, il faut mettre en ordre l'ordre des coachs pour que le métier soit professionnalisé. Je vais vous dire ce que ça va permettre. Vous savez, depuis longtemps, je passe sur les plateaux et beaucoup confondent ce que nous faisons avec du charlatanisme. Et beaucoup disent, oui, c'est ceci, c'est cela. Yes. Qu'est-ce que nous avons décidé de faire? Aujourd'hui, au niveau de l'ordre des coachs, nous avons choisi les pasteurs qui sont parmi nous, qui sont des pasteurs d'église. Nous les avons responsabilisés pour faire ce que nous avons appelé le coaching évangélique. C'est-à-dire, pour que personne ne pense qu'on veut chercher les membres d'une église pour les amener ailleurs, eux-mêmes pasteurs iront dans les églises pour apporter le coaching dans un discours biblique. De la même manière, nous avons choisi des prêtres qui sont parmi nous, des évêques, des cardinaux, pour développer le coaching catholique. Donc, eux, ils iront vers l'église catholique pour apporter le coaching aux catholiques. Nous avons choisi des imams qui sont parmi nous pour apporter le coaching au niveau de la mosquée. Ce n'est pas tout. Nous avons des spécialistes du coaching scolaire qui sont en train d'aller vers les écoles pour faire du coaching scolaire. Nous sommes en train de travailler le coaching des enfants. Donc, bref, c'est compartiment par compartiment des spécialistes de chaque domaine. Mieux, les médecins, membres de l'ordre, ont demandé une formation de tout le personnel soignant, membre de l'ordre ou membre de l'association Fiat Monde, pour que la vision santé que nous avons soit partagée par tout le monde. Donc, bref, c'est une structuration qui permettra que, c'est-à-dire, l'évangéliste ne peut pas me critiquer si son pasteur lui-même vient lui proposer le coaching en citant Jésus. Le catholique ne peut pas me critiquer si le prêtre et l'évêque
commence pas à faire du coaching dans l'église le dimanche. Le musulman ne peut pas me critiquer si l'imam vient lui dire le coaching du prophète Mahomet. Donc c'est pour dire que c'est un travail, un chantier titanesque que nous sommes en train de faire et nous verrons tout à l'heure comment nous avons pu en 6 mois travailler à réaliser tout ça. D'accord. Coach Poyon, je vous connais, expert en coaching, mais j'ai envie de vous demander... C'est quoi la différence entre le coaching intégral dont vous venez de parler et le développement personnel? Très bien. Le développement personnel est le premier domaine du coaching. Il y a 9 domaines. OK. Si vous prenez le document sur le coaching intégral, vous allez voir 9 domaines. Premier domaine, le développement personnel. Deuxième domaine, la santé. Troisième domaine, la prospérité. Quatrième domaine, l'emploi. Cinquième domaine, les relations de couple. Sixième domaine, les relations parents-enfants. Septième domaine, l'entrepreneuriat. Et neuvième domaine, le leadership et la stratégie. Il y a 9 domaines. Alors, beaucoup de personnes se résument au développement personnel, pensant que le développement personnel fait le coaching. Et ce n'est pas tout. Beaucoup de personnes se trompent encore sur ce qu'est le développement personnel. Je crois que certains m'ont demandé que si on fait du développement personnel, est-ce qu'on ne s'éloigne pas de Dieu ? Je dis, c'est bien le contraire. Le développement personnel est un aliment sur le courant de vie en moi. Le courant de vie en moi, c'est qui? C'est Dieu. C'est un aliment sur Dieu en moi. Il n'y a pas de développement personnel qui conduit à des entités. Il n'y a pas de développement personnel qui conduit à des éléments extérieurs. Développement personnel, développement de moi-même, développement de mes capacités personnelles, développement de qui je suis. Donc, je n'ai pas besoin de me connecter à quoi que ce soit. Si vous me fouillez là maintenant, vous allez trouver que l'argent. Il n'y a pas l'argent, il n'y a rien. Mais je vous assure, je suis là, entier, entier. Je n'ai pas besoin d'éléments extérieurs pour faire face à quoi que ce soit. Donc, bref, le développement personnel, c'est un des 9 piliers du développement et du coaching. Et c'est pourquoi nous avons sorti, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, un article scientifique sur le développement personnel qui fait le point de ce que c'est. Nous sommes allés au développement personnel dans la Bible, au développement personnel dans le Coran, au développement personnel dans les réalités endogènes de l'Afrique, au développement personnel depuis toujours, pour que les gens comprennent que le développement personnel a existé dès que l'être humain a existé. Donc voilà un peu comment je peux répondre pour dire que le développement personnel, c'est un des 9 piliers et il faut comprendre ce que c'est pour ne pas se tromper. Et pour comprendre, il faut se rapprocher de la FIAD. Voilà, de la FIAD. Et ou de tout coach ayant appris cela. Ou même télécharger sur Internet l'article scientifique sur le coaching et le développement personnel. Ça permet de voir qu'en réalité, avant nous, Jésus a prôné le développement personnel. Le prophète Mahomet a prôné le développement personnel. Quand on parle, je crois que Rachida Touré est du Nord, quand on parle de la Ghani, c'est du développement personnel. Et quand on parle des rites traditionnels qui permettent à un garçon d'être garçon, à une fille d'être fille, d'être femme, tout ça là c'est du développement personnel. Mais tout ça, on a besoin de comprendre pour pouvoir profiter de ça, pour pouvoir vivre ça. D'accord. Coach Poyon, on connaissait le docteur Patrick Armand Poyon, mais pourquoi est-ce que nous parlons aujourd'hui de professeur émérite? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Ah, il s'est passé que je suis docteur en coaching intégral, en coaching depuis 5 ans. Et depuis 5 ans, nous avons bataillé. Je vous voyais tout le chantier que je viens de vous montrer. Et donc, le comité scientifique de l'Université virtuelle du coaching et du développement intégral a décidé de m'élever à ce rang. Donc, ce n'est que ça. Il y a eu une élévation de grade, c'est tout. Et tout ça est le résultat de tout le travail qui a été abattu pour donner des traces, rendre, c'est-à-dire tracer le coaching, tracer le développement personnel, tracer la parole transformatrice, tracer la transformation intégrale de vie à travers une thèse, tout ça, donc une nouvelle thèse. Donc tout ça a été fait. Et donc, fort de cela, et mieux, d'une 15aine de conférences scientifiques. Donc tout ça là, on s'est dit, mais à un moment donné, il est arrivé. Parce qu'il y a chez nous les différentes caractéristiques pour avoir différents grades. Les caractéristiques sont remplies. Donc c'est comme ça que depuis environ 3 ou 4 mois, j'ai été élevé au rang de professeur émérite en coaching intégral. Dans ce cas, c'est à célébrer. Oui, et on a commencé par célébrer depuis longtemps. D'accord, coach Poyon. Alors, vous nous disiez tout à l'heure qu'il faut se rapprocher d'un coach pour avoir davantage d'informations. Mais il y a tellement de coachs aujourd'hui que comment on fait pour savoir si tel est un vrai coach ou non? Au fait, je vais vous donner un exemple. J'ai suivi une émission qui s'est passée au Cameroun. Au début de l'émission, tous les participants sur le plateau, sauf une dame, ont été présentés comme coach. Alors la dame prend la parole, elle dit, je n'ai jamais appris le coaching, j'ai vu des gens le faire à la télé
et je le fais. Donc, c'est pourquoi j'ai dit de ne pas m'appeler coach, au risque que les professionnels me tassent de faire une erreur. Cinq minutes après, tous ceux qui sont sur le plateau ont reconnu que c'est la même chose. Qu'en réalité, ils n'ont pas appris le job. En réalité, je vais vous dire, beaucoup pensent que le coaching, c'est suivre quelqu'un à la télé et commencer par faire. C'est trop sérieux pour que ça s'arrête là. C'est trop sérieux pour que ça s'arrête là. Je vous donne un exemple très simple. Vous voyez, je viens de faire un séjour au Bénin qui est en train de tirer vers sa fin. Et je peux vous dire que toute personne que j'ai reçue, je parle à la télé, on a fait une heure. Mais j'ai transformé des vies en une heure. C'est ça le coaching. On ne raconte pas un coach pour avoir des soucis le lendemain. Je vous donne un exemple très simple. Je reçois un monsieur qui dit, ma femme monte mes enfants contre moi. Aidez-moi. Je dis très bien. Toi, tu penses que ta femme a tort. Ta femme pense que toi, tu as tort. Alors, dans ces conditions, comment je peux régler le problème en laissant chacun penser qu'il a tort? Je dis, tu es musulman? Il dit oui. Je dis, c'est quoi le ramadan? Il dit, comment? C'est une fête musulmane, tout ça. Il dit, très bien. Le ramadan suppose que le jour du ramadan, tu appelles ta femme pour lui demander pardon. Tu appelles tes enfants pour lui demander pardon. Tu n'as jamais fait ça? Il dit non. Qui n'a jamais appris ça? Il dit très bien. Le jour où tu demanderas pardon à ta femme aussi va comprendre que toi aussi tu ne joues pas, je connais tout. Ça va l'amener elle-même à relativiser ce qu'elle connaît et elle va changer sa façon aussi de voir les choses. Alors, on a discuté et comme vous savez que les musulmans sont très obéissants lorsqu'ils ont trouvé le chemin, alors il est allé à la maison et il a appelé sa femme. Il lui a demandé pardon. La Bible demande la même chose. Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Alors dites-moi, quelle loi la femme va obéir à un monsieur qui ne peut pas appliquer ce que la foi religieuse dit? Il est musulman. La religion musulmane dit qu'à Ramadan, il doit demander pardon à sa femme. Il n'a jamais fait. Selon quelle loi il veut que la femme lui obéisse? Voilà le coaching. Ce n'est pas de spiritualité, ce n'est pas ceci, non. C'est que nous corrigeons les erreurs de notre vie qui font qu'il y a problème. Une femme à qui il fait ça va se repentir, va comprendre que quelque chose ne va pas, les choses vont changer. Je vous donne l'exemple d'un chrétien. Il vient me voir, il dit, j'ai rencontré ma femme, j'en ai parlé à mon pasteur. Le pasteur m'a dit, est-ce que tu pourras supporter? Oui, moi, je pense que tu dois trouver une femme qui va te financer parce que tu es appelé à être un grand pasteur et il faut une femme pour financer ton ministère. Et donc, le pasteur l'a préparé à des problèmes. Il s'est entêté, il rentre dans la relation et il vit maintenant les problèmes annoncés par le pasteur. Et il est surpris. Non, la parole est sortie. Si elle n'est pas brisée, elle va produire ce pourquoi c'est sorti. Alors, je lui ai dit, ici, là, il est venu soi-disant que moi, il va faire une vision pour voir si en réalité, c'est bon cette femme. J'ai dit, faux. Invite ta femme dans un restaurant, fais-la manger et dis-lui, est-ce que tu veux réussir avec moi? Si oui, voici, nous allons désormais appliquer le coaching dans notre vie et réussir notre foyer. En réalité, qu'est-ce qui est faux dans ce que le pasteur a dit? Il n'y a pas à aller chercher quelqu'un qui va te donner de l'argent. C'est une erreur, ce n'est pas divin. C'est pas divin. Tu dois chercher une connexion permanente avec Dieu personnel pour que Dieu te donne de l'argent à toi-même. Mais lui, il encourage les gens à compter sur des femmes. Quand vous épousez une femme qui a l'argent, elle va vous matériser, vous piétiner. Elle va vous demander de laver ses chaussures et tout ça. Et je vais l'encourager à le faire parce que c'est son argent que tu as épousé. Toi aussi, cherche ton argent. Bref, c'est pour dire que le coaching, c'est pas du mysticisme. Non, c'est le combat de caractère qui permet d'être qualifié pour la santé, qualifié. Tu passes tout le temps à dire que tu as un problème de fécondité et tu veux avoir un enfant. C'est pas possible. Change de discours. Dis que tu es fécond. Donc, bref, c'est un changement de comportement qui permet la réussite de vie. Dieu a prévu pour chacun toutes les bénédictions que nous recherchons. Mais il faut changer notre façon de faire les choses pour que les bénédictions cessent de continuent de nous échapper. Je donne un exemple très simple. Tu dis que tu cherches mari, mais tu t'habilles comme une femme mariée. Alors, comment quelqu'un va faire la cour à une femme mariée? C'est pas possible. Mais tu ressembles à une femme mariée. Ton habillement, ta façon de faire, tout ça, là, doit changer. Quelqu'un te dit bonjour, alors que tu cherches mari, tu lui réponds bonne nuit. Il te dit bonjour, tu dis bonne nuit. Tu as coupé la discussion. C'est très simple. On dit oui, tu as l'esprit de Mamuata, esprit de ceci, esprit de ceci. Non, un enfant de Dieu est la lumière. Les esprits sont les ténèbres. Les ténèbres ne peuvent pas rentrer dans la lumière. Donc c'est faux. C'est ton comportement qui crée des problèmes. Ça n'a rien à voir avec un esprit ou quoi que ce soit qui te fatigue. Donc bref, le coaching c'est trop sérieux pour que quelqu'un se mette à suivre la télé et venir dire qu'il est coach. Non. À chacun de voir, est-ce que la personne qui parle, il parle de prospérité, lui-même a-t-il l'argent? Il parle de fécondité, lui-même est-il fécond? Il parle de ceci, lui-même a-t-il trouvé? C'est ça. Mais quelqu'un qui est là, qui insulte tout le monde, les autres sont mauvais, les autres sont diaboliques, les autres sont ceci. Ça veut dire que lui-même, il n'a pas de paix en lui, il n'a pas de sérénité. Donc bref, chacun saura à travers son cœur, en écoutant son cœur, chacun saura en réalité où se trouve la vérité par rapport au coaching et autres.
Alors, Coach Pognon, pouvez-vous nous parler des référentiels EQR? Les référentiels EQR, vous savez, on ne fait pas que du coaching, en tout cas du développement personnel. Comme je vous l'ai dit, c'est 9 domaines. Dans les 9 domaines, il y a la stratégie, il y a la gestion et autres, il y a l'entrepreneuriat et autres. Mmh. Nous avons constaté que la plupart des entreprises ne sont pas préparées à supporter les chocs comme COVID-19 et autres. Nous avons donc élaboré des référentiels d'efficacité, de qualité, de rentabilité avec 4 piliers. Premier pilier, l'homme. En prenant en compte tout ce que nous avons dit maintenant, nous avons fait un premier pilier. Deuxième pilier, la science de l'efficacité. Troisième pilier, le génie commercial. Il faut savoir vendre. Les entreprises ne savent pas vendre. Ils ne savent pas vendre. Il faut régler ça. Et quatrième pilier, le chemin de l'enrichissement. Le peu d'argent qui rentre, comment je gère ça pour avoir plus d'argent. Ces quatre piliers nous ont permis d'élaborer des livres sur chaque domaine. Ces livres, maintenant, nous faisons des formations pour former des auditeurs conducteurs, des référentiels EQR, donc des acteurs qui iront dans les entreprises et qui vont élever l'entreprise au rang des quatre piliers de référentiels EQR afin que ces entreprises puissent être opérationnelles. Je donne un exemple très simple. COVID-19, la plupart des entreprises se sont retrouvées en difficulté. La plupart des entreprises ont fait des prêts. Dans la quasi-totalité des entreprises dirigées par Patrick Amapoyon, des associations dirigées par Patrick Amapoyon, on a doublé le salaire en période de coronavirus parce que nous sommes au référentiel EQR. Nous savons vendre, nous savons gérer l'argent, nous avons la science de l'efficacité, nous avons les vibrations et la dimension mentale nécessaire. Alors, qu'est-ce qui va nous empêcher de gagner de l'argent, COVID-19 ou pas? Ce n'est qu'une opportunité qu'il faut saisir. Donc, c'est comme ça que nous avons érigé ces référentiels, que nous sommes depuis près de 6 mois en train d'outiller les auditeurs, en conducteur des référentiels EQR, afin qu'il n'ait pas besoin de pratiquement pour élever une entreprise aux normes référentielles EQR. Donc voilà ce que nous avons mis en place au niveau de ATQMSA, une entreprise de droit togolais, une entreprise société anonyme de droit togolais que nous avons mis en place au Togo, dont je suis le président directeur général. C'est cette entreprise qui prône les référentiels EQR et qui forme à ce que nous puissions avoir dans l'entreprise efficacité, rentabilité et qualité. Je vous donne un exemple très simple. Vous prenez par exemple un hôtel 5 étoiles. Pour construire un hôtel 5 étoiles, il faut 3 milliards. Mais vous savez quel est le bénéfice maximum des promoteurs par an? C'est 30 millions. Ça veut dire qu'il leur faut 100 ans pour récupérer leur argent s'ils n'ont pas les référentiels EQR. La plupart des hôtels sont en train de fermer. Pourquoi? Parce qu'ils sont tournés vers le personnel extérieur. Alors que les couples ont besoin de passer un séjour dans les hôtels. Tant que nous répétons bêtement les schémas internationaux, nous allons avoir des difficultés. Les avions ont des problèmes aujourd'hui. Beaucoup d'entreprises sont en train de faire faillite parce qu'ils ne sont pas préparés à affronter les chocs. Et donc, il faut aussi, dans ce domaine, permettre aux entreprises de pouvoir résister aux chocs et surtout que ceux qui ont investi leur argent gagnent suffisamment d'argent. Il n'y a pas une initiative que je prends. Par exemple, nous avons créé les ATQMSA il y a un an. On n'a pas terminé un an. Nous allons terminer un an à la fin de l'année pour l'entreprise ATQMSA. Mais je peux vous dire que rien que la première année, c'est 100% du bénéfice. Rien que la première année, c'est 100% du bénéfice par rapport à l'investissement. Et donc, vous voyez, c'est dit, non, il faut vraiment, c'est des méthodes, c'est la manière. Donc, bref, c'est ça, les référentiels EQR. D'accord, Coach Pognon. Vous avez sorti une capsule sur les réseaux sociaux où vous affirmez qu'emprunter de l'argent à quelqu'un qui ne sait pas jouer le jeu de l'argent, c'est donner la drogue à un drogué. Mmh. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, le gars ne sait pas jouer le jeu de l'argent. Résultat, il est endetté. C'est quoi le jeu de l'argent? Le jeu de l'argent, c'est quoi? Je gagne de l'argent, j'en fais quoi pour gagner plus? Je gagne de l'argent, je fais quoi pour gagner plus? Je vous donne un exemple très simple. La plupart de ceux qui nous écoutent se sont fait plaisir, ça fait des années. Parfois depuis leur mariage. La plupart de ceux qui nous écoutent ne savent pas que se faire plaisir est une conditionnalité pour avoir de l'argent. Ils ne savent pas. Or, pourquoi Dieu va te donner de l'argent si l'argent qu'il te donne ne te permet même pas de te faire plaisir? La plupart de ceux qui m'écoutent, on peut dire depuis quand ils sont allés dans un restaurant manger un plat copieux. Depuis combien de temps ils ont offert un cadeau à leur épouse, à leurs enfants qui leur ont fait plaisir? C'est ça le problème. Nous ne savons pas dépenser l'argent et on nous emprunte encore l'argent. Nous allons encore mettre dans le même trou et pleurer de la même manière. Au Bénin, on a distribué de l'argent aux artisans, ce qui est une très bonne chose. Mais la plupart des artisans ont déjà tout fini. Ils ont déjà tout fini. Parce que celui qui sait jouer le jeu de l'argent, lorsqu'il reçoit de l'argent, il sait quoi faire avec cet argent pour avoir plus. Première chose, se faire plaisir. Deuxième chose, être généreux. Troisième chose, épargner. Le reste, tu peux dépenser comme tu veux. Si tu ne fais pas les trois premiers avant de dépenser, cet argent va finir, ne sera pas renouvelé. Il ne sera pas remplacé. C'est de ça qu'il s'agit.
Donc c'est très important. Maintenant, il ne sait pas jouer le jeu de l'argent. C'est pourquoi il a un problème d'argent. Maintenant, on lui emprunte encore de l'argent. Ça veut dire qu'il va encore mettre dans les trous. Donc, il sera toujours pauvre et plus endetté maintenant. C'est comme donner de la drogue à un drogué que de donner de prêt à quelqu'un qui ne sait pas dépenser de l'argent. L'argent, on doit savoir dépenser de l'argent. Je vais vous donner des exemples très simples. Je vais à Parakou où un monsieur est dans une tontine. Deux messieurs, ils sont dans une tontine. Je les reçois. Ils sont en difficulté financière. Je dis, bon, voilà ce qu'on va faire. Je vais vous anticiper vos tontines. Je vais vous remettre vos tontines. Mais ça faisait 600 000. Je dis, sur les 600 000 là, prends une partie. Va dépenser sur toi-même. Dépense sur ta famille. Gaspille une partie. Et je te promets que tu n'auras plus jamais problème d'argent. Je vous dis, je dis ça aux deux. Le premier a pris 200 000 sur les 600 000. Il a réservé chambre d'hôtel pour lui, chambre d'hôtel pour sa femme. Ils ont passé tout le week-end là-bas. Il a fait des cadeaux à sa femme. Il a fait des cadeaux à ses enfants. Aujourd'hui, il fait partie des hommes riches. Ce que j'ai dit là ne fait pas 7 mois. Maintenant, l'autre n'a pas obéi. Il est toujours dans les difficultés parce que lui, il a pris tous les 600 000 pour dire qu'il veut investir, qu'il veut protéger, qu'il veut faire ceci. Non, les amis, le jeu de l'argent s'apprend. Si tu n'apprends pas le jeu de l'argent et tu vas prendre de l'argent, je donne un exemple. La plupart de nos entreprises, un peu partout, on nous a proposé des prêts. Puisque nous avons une situation bancaire agréable, ils nous ont proposé des prêts sans intérêt, mais on n'en avait pas besoin. On n'en avait pas besoin parce qu'on sait jouer le jeu de l'argent. Donc c'est très important. Apprenez ce que je veux dire de façon simple. Aucune microfinance ne doit emprunter de l'argent à quelqu'un sans lui apprendre à jouer le jeu de l'argent. Aucune structure de microfinance ne doit emprunter de l'argent à quelqu'un sans lui. Regardez même les gestionnaires de ces structures de microfinance, de ces banques. Eux-mêmes sont endettés parce qu'eux-mêmes ne savent pas jouer le jeu de l'argent. Si vous trouvez un banquier qui n'a pas les yeux rouges, ça veut dire que vraiment il a appris le jeu de l'argent quelque part. Donc bref, c'est très important que nous puissions comprendre que donner de l'argent à quelqu'un qui ne sait pas jouer le jeu de l'argent, c'est endetter la personne sans qu'il ne puisse rembourser après. C'est quand même assez délicat hein, de jouer au jeu de l'argent, comme vous le dites, parce qu'on est dans une situation assez délicate pour tout le monde, si je peux m'exprimer ainsi. Alors, prendre une partie de son argent pour se faire plaisir à sa famille, une autre partie pour épargner, une autre partie pour investir. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Bon, je vous donne un exemple de quelqu'un qui gagne par exemple 75 000 francs par mois. Comment est-ce qu'il peut gérer, comment est-ce qu'il peut jouer au jeu de l'argent? Très bien. D'abord, j'ai entendu, nous sommes dans une situation délicate pour tout le monde. Elle n'est pas délicate pour moi. Elle n'est pas délicate pour mes collaborateurs. Elle n'est pas délicate pour les ambassadeurs du moment. Je vais vous confirmer ça. J'ai décidé, il y a quelques semaines de cela, d'offrir une formation gratuite à 50 000 personnes sur Telegram. On en a eu 40 000. On a fait 21 jours de formation gratuitement. Pendant les 21 jours, on leur a donné tout ce qu'on peut leur donner. Nous avons dépensé des millions pour faire des dons à gauche, à droite, afin que Dieu puisse bénir ceux qui ont suivi la formation gratuitement. Et pendant la formation, j'ai commencé par entendre les difficultés d'argent. Parce que pendant des années, je n'ai circulé que dans mon cercle relationnel où personne ne parle de problème d'argent. Donc, c'est quand j'ai élargi la base pour aller à 40 000 personnes que j'ai commencé par entendre de nouveau les problèmes d'argent. Parce que nous savons jouer le jeu de l'argent. Et pour revenir à la question, je gagne 75 000 francs. Le riche qui doit toujours devenir riche va sacrifier les 75 000 francs pour gagner plus d'argent demain. Le pauvre calcule, le pauvre dit, si je dépense ça pour me faire plaisir, je fais comment après? Le riche dit, c'est seulement en me faisant plaisir que celui qui me donne de l'argent, qui est Dieu, va m'en donner encore parce que c'est dans mon plaisir que lui prend plaisir. Mais ce n'est pas la même situation. Le pauvre, lui, il a besoin, par exemple, de payer ses charges, contrairement à celui qui vit déjà dans l'opulence. Si très bien. Le riche n'est pas celui qui a de l'argent. C'est celui qui est dans un état d'esprit qui ne peut qu'apporter de l'argent. C'est pourquoi Jésus a dit, les riches deviendront plus riches et les pauvres deviendront plus pauvres. La pauvreté est un état d'esprit. C'est une façon de penser. C'est une façon de faire. Et c'est cette façon de faire qui fait que nous avons peur de dépenser. De toutes les façons, je vous donne un exemple très simple. Nous sommes allés à une rencontre hebdomadaire. À cette rencontre hebdomadaire, on a distribué des enveloppes. Alors tout le monde a changé la mine parce qu'il s'attendait à ce qu'on dise contribution, donner de l'argent. Alors chacun a pris l'enveloppe, un peu la mine renvoyée. Et après, on dit chacun n'a qu'à ouvrir son enveloppe. Il y a 5 personnes dans la salle qui, dans leur enveloppe, ont un papier sur lequel un montant est écrit.
venez chercher le montant devant. C'est nous qui voulons vous donner de l'argent. C'est pas nous qui voulons vous prendre de l'argent. Mais tout le monde trouvait ça bizarre. Non! Mais déjà, juste après avoir fait ça, moi, j'ai déjà des entrées. C'est-à-dire que voilà le vrai problème. Tant que le pauvre ne va pas comprendre que c'est en dépensant sur lui-même, il faut semer la joie en toi. Il faut semer la joie en ta femme, en ton mari, en tes enfants. C'est en semant la joie en eux que Dieu vous redonne de l'argent pour qu'il y ait encore plus de joie. Mais non, on n'a pas appris ça. On a appris à calculer, à analyser, à faire ceci. Moi, je ne donne pas de l'argent à quelqu'un si cet argent ne va pas produire de la joie en lui. C'est-à-dire, je veux lui donner un montant où il va sourire toute la journée. Je veux lui donner un montant où il ne peut pas s'empêcher de sentir la gloire de Dieu, de manifester la gloire de Dieu. Dans ces conditions, je sais que je serai béni. Bref, c'est un langage difficile à comprendre pour celui qui n'a pas intégré cette dynamique-là. C'est pour ça qu'il faut être ambassadeur du développement pour intégrer cette dynamique. Je vous donne un exemple. J'ai de grandes personnalités, anciens ministres de la République et autres, qui sont ambassadeurs du développement. Mais je vous assure, quand ils venaient, c'est difficilement que les fins du mois étaient gérées. Aujourd'hui, on les nomme ministres, ça ne les intéresse plus. Parce qu'ils ont compris le jeu de l'argent. Quand tu comprends le jeu de l'argent, tu sais gagner de l'argent. Tu n'as plus besoin de travail de quelqu'un, de poste de quelqu'un, de ceci de quelqu'un pour avoir un boulot. Non, je vous donne un exemple. J'ai au moins une vingtaine de jeunes aujourd'hui qui ont 18 ans. À 18 ans, ils ont fini leur formation, ils sont en train de travailler avec nous. À 18 ans, ils ont des comptes bancaires. Là, à la fin de cette année, on leur a proposé tous crédits scolaires. Puisque dans leur compte bancaire, étant donné que leur salaire tombe tous les mois, on leur a proposé des crédits scolaires. Des crédits scolaires, ils ont refusé. Ils n'en ont pas besoin. Vous imaginez des jeunes de 18 ans qui paient 25 000 francs par mois pour aller faire gymnastique. 25 000 francs par mois pour aller à la salle de gym. 18 ans. En train de payer 25 000 francs par mois pour faire salle de gym. Pourquoi? Parce que dès le départ, on a effacé dans leur tête la psychologie de la pauvreté. On a effacé dans leur tête le fait de thésauriser, d'avoir peur de dépenser. Non, il faut faire confiance à Dieu. Il faut lâcher prise. Je voudrais demander ceci à Mme Oru. Vous rentrez dans un taxi. Est-ce que vous vérifiez le permis de conduire du chauffeur? Non. Vous rentrez dans le taxi, vous lui faites confiance. Et vous refusez de faire confiance en Dieu. En gardant l'argent, en ayant peur de demain, c'est un manque de confiance en Dieu. Je fais confiance à un chauffeur de taxi dont je n'ai pas vérifié le permis. Je fais confiance à un pilote d'avion dont je n'ai pas vérifié le permis. Mais je refuse de faire confiance à Dieu qui est propriétaire de l'or et l'argent, qui a tout l'argent du monde, qui peut m'en donner quand il veut. Vous voyez, je suis venu là pour faire une émission. Tout le monde va s'attendre à ce que d'ici la fin, on annonce une activité où les gens vont venir afin qu'on gagne de l'argent. C'est pour ça qu'on est passé à la télé. Non, je suis en fin de séjour au Bénin. Je suis en train de partir. Mais j'ai dit, je ne suis pas un clandestin pour rentrer au Bénin clandestinement et partir clandestinement. C'est pourquoi je fais cette émission, pour partager avec les gens, pour donner aux gens des connaissances qui vont changer leur vie. Et après, je pars. Je n'ai pas besoin nécessairement d'avoir projet de gagner de l'argent pour dépenser de l'argent. Parce que celui qui donne l'argent, c'est Dieu. Il n'y a pas un être humain qui peut te rendre riche. C'est Dieu seul qui peut te rendre riche. D'accord. Alors, coach Poyon, vous avez également fait une autre capsule hein, qui affirme que donner un emploi à quelqu'un sans les soft skills, c'est une perte de temps puisqu'il retournera chômeur. Comment est-ce que quelqu'un à qui vous donnez de l'emploi retournera au chômage? D'abord, je voudrais rassurer les gens. Vous voyez, l'étonnement de Mme Oru est agréable. Pourquoi? Parce que c'est que beaucoup parmi vous à la maison, vous êtes étonnés. Mais je l'ai dit dès le début de cette émission que je ne la sens pas me suivre. Me suivre, c'est-à-dire que c'est quand je viens qu'on se voit sur le plateau et tout ça, mais je voudrais qu'elle me suive à travers les réseaux sociaux. Je voudrais qu'elle me suive au jour le jour. Tous les matins, du lundi au vendredi, je fais une vidéo que je diffuse tous les matins. À force de suivre ça, ça crée de la sublimation dans le cerveau. Je modifie ma façon d'être. Or, il faut être pour faire et avoir. To be before do, to do before have. Il faut que je puisse changer mon état d'être. Donc, bref, je sais qu'après ça, elle va me suivre pour que son 15 000 francs ne devienne de l'amusement pour elle et qu'elle utilise ça vraiment pour gagner plus d'argent. Bref, pour revenir à la question, donner de l'emploi à quelqu'un à qui on n'a pas appris les compétences personnelles, humaines et relationnelles, ce qu'on appelle les soft skills, il va le perdre. Pourquoi? Il n'a pas les compétences humaines, notamment le professionnalisme et autres. Qui va garder un employé qui n'est pas professionnel? Il n'a pas les compétences humaines, intégrité. Qui va garder un employé qui est malhonnête? Donc bref, si on ne lui a pas appris à être professionnel, à être honnête, à savoir travailler en équipe, à respecter les autres, à faire circuler l'information, à avoir la culture de l'apprentissage, à se former pour être à la hauteur, si on ne lui a pas appris ça,
il va là-bas, le patron va le renvoyer. Vous savez, les hommes d'affaires n'ont rien à voir avec l'État et autres. Les hommes d'affaires, ils veulent des gens efficaces qui vont travailler avec eux. Vous voyez, beaucoup de pays africains sont dirigés aujourd'hui par des hommes d'affaires. Et ils ont du mal à accepter que quelqu'un vienne s'asseoir à 8h au bureau, parte à 12h30, vienne à 15h, parte à 18h30 et prenne un salaire. Ce n'est pas normal. Il doit produire quelque chose. Alors, si vous n'avez pas appris à la personne à produire quelque chose et que le patron est un homme d'affaires, il finira par le renvoyer. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Et il faut que les gens apprennent. Et j'ai pris seulement les compétences humaines. Hein. Je n'ai même pas encore parlé des compétences relationnelles. Je n'ai même pas parlé des compétences personnelles, d'où le développement personnel et autres. Donc, c'est très important aujourd'hui qu'on comprenne. Moi, je ne parlerai pas seulement de mes enfants. J'ai au moins c'est-à-dire une vingtaine, déjà une trentaine, parce qu'une nouvelle vague est rentrée dedans, une trentaine de personnes qui travaillent avec moi. Ils n'ont que 18 ans, 19 ans, mais ils ne peuvent pas chômer. Ce n'est pas possible. Même s'ils me quittent aujourd'hui, ils vont trouver du boulot, ils vont créer leur entreprise. Parce qu'ils ont développé les compétences personnelles, humaines et relationnelles. C'est très important. Si vous développez ça, je vais vous donner des exemples très simples. L'année passée, on a fait un camp des enfants. Nous avons dépensé environ 1 600 000 francs en frais médicaux. Parce que les enfants allaient tout le temps à l'hôpital. Parce que nous ne sommes pas irresponsables pour qu'un enfant ait des difficultés et qu'on dise on ne va pas l'amener à l'hôpital. Mais cette année, on a fait un camp. Pas un comprimé n'a été utilisé. Parce que la plupart des enfants ont fait le camp de l'année passée. Donc, leur état d'aide a changé. Ce n'est plus la même personne. L'année passée, on a reçu un enfant qui tombait tout le temps. On l'amène à l'hôpital, on dit il n'y a plus de sang. Il n'y a plus de ceci. Et tout le temps, on nous dit que c'est son père qui veut la tuer. Mais on l'a amené à comprendre. Ce n'est pas possible. Personne ne peut te tuer si tu ne crois pas en ça. Cette année, cet enfant était la star au camp. Elle n'a plus aucun problème de santé. Donc, bref, c'est pour dire qu'il faut que nous puissions comprendre et admettre qu'un employé est au chômage parce que dans sa tête, il a la culture du chômage. Tant qu'on n'a pas enlevé la culture du chômage, on lui donne un emploi, il finira par retourner encore au chômage. Donc, c'est très important qu'on comprenne ces choses-là. Coach, pourrions parler, nous, de votre thèse sur l'homme accompli. Oui, nous avons sorti 3 articles scientifiques, notamment le premier article scientifique sur la parole transformatrice, parce que beaucoup ne savent pas que ce qu'ils disent fait leur vie. Et donc, nous avons travaillé sur ça. Ensuite, nous avons sorti un article scientifique sur le développement personnel, le premier d'ailleurs dans le domaine. Nous avons sorti un article scientifique sur le coaching intégral. Et nous avons résumé les 3 articles scientifiques en une thèse qu'on a appelée « l'homme accompli ». Cette thèse va sortir semaine prochaine en version. Bon, c'est déjà, les étapes sont déjà franchies, on est déjà à l'étape montage et imprimerie. Donc, nous allons sortir ça sous forme de livre la semaine prochaine en version française et en version anglaise, intégralement. Version française, intégralement, version anglaise, les deux dans le même document. Donc, bref, c'est cette thèse-là qui permet aujourd'hui à tout homme, tout individu, je demande simplement de lire. Je ne demande pas de me chercher. Je ne demande pas de me trouver quelque part, non. Et les gens vont dire encore, ils veulent vendre des livres, rassurez-vous. Hein, les gens bavardent pour bavarder. C'est pourquoi j'ai sorti. On a fait une rencontre hebdomadaire la dernière fois. Le thème était « Laisse parler les gens ». Les gens n'ont qu'à parler, il faut avancer seulement. Bref, ce livre-là, avant que ce ne sorte version papier, pour ceux qui veulent version papier, il va sortir version internet où les gens peuvent télécharger gratuitement. Bref, c'est un document complet, complet. Tu maîtrises ça, tu maîtrises ta vie. Tu cadres ça, tu cadres sa vie. Vous allez trouver quoi dedans? Vous allez trouver, comme je l'ai dit, tout sur la parole transformatrice. Avant nous, et maintenant, et avec nos études, la parole transformatrice dans la parole de Dieu, dans les livres saints, la parole transformatrice selon Joseph Murphy, la parole transformatrice selon Émile Coué, la parole transformatrice selon John Grimmer, tous ceux qui ont fait des recherches là-dessus. Et ensuite, nos recherches à nous, nos découvertes à nous, tout ça là est dans un document. Ensuite, nous avons l'article scientifique sur le développement personnel, j'en ai parlé tout à l'heure. Et enfin, nous avons l'article scientifique sur le coaching intégral avec les 9 domaines. C'est quoi le développement personnel? C'est quoi la santé dans le domaine du coaching? C'est quoi la prospérité? Comment jouer le jeu de l'argent? Comment faire en sorte que je puisse avoir une bonne relation de couple avec mon conjoint? Comment avoir une bonne relation avec les enfants pour que les enfants s'épanouissent et réussissent? Comment avoir un emploi à coup sûr? Comment créer une entreprise à partir de 0 francs et réussir? Tout ça là, c'est dans le document. Et bref, même dans le document, vous allez voir, au lit, comment satisfaire mon conjoint au lit? Ça là, beaucoup de couples ont des problèmes, c'est à cause de ça. Il y a insatisfaction sexuelle et on mélange tous les autres problèmes après. Bref, c'est un livre de vie. C'est pourquoi on a parlé ça l'homme accompli. Comment à travers ça, tu peux avoir une vie accomplie. C'est ça que nous avons sorti. C'est ça la thèse du professeur Patrick Avampoyon. Et ce sera disponible quand? Semaine prochaine. Semaine prochaine. Dès semaine prochaine, on a ça sur les réseaux sociaux. De toutes les façons, dès semaine prochaine, saisissez thèse
L'homme accompli, vous allez trouver. Donc, à partir de ce même projet, hôpital mardi ou mercredi, vous pouvez saisir ça sur Internet. En attendant que vous preniez peut-être des contacts pour avoir la version papier. Parce que la version papier, c'est pour ceux qui n'aiment pas souvent les versions électroniques et qui veulent la version papier. D'accord. Coach Pognon, revenons au thème de l'émission. Vous avez été très actif pendant la période du COVID-19. Votre lecture de la situation? Vous savez, on avait trois pandémies. Beaucoup de personnes entendent parler d'une pandémie, la pandémie COVID-19, mais il y a trois. La première pandémie, la plus grave, c'est la pandémie de la peur. La plupart des personnes dans le monde sont mortes avant même que coronavirus leur fasse quoi que ce soit. La pandémie de la peur, j'ai réussi à maîtriser cette pandémie, non seulement de la vie de ceux qui sont avec moi dans les associations, mais aussi dans la vie de tous ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux. Nous avons verrouillé ça, nous avons empêché les gens de mourir par la peur. La peur est plus dangereuse que COVID-19. COVID-19 est un nettoyeur de l'organisme. Ce n'ont été les personnes âgées, les personnes souffrantes qui risquent d'avoir des complications. On devait laisser COVID-19 circuler parce que ça nettoie l'organisme de ceux qui n'ont pas de complications de santé et dans le corps de qui ça passe. Je vais vous donner un exemple très simple. Vous avez constaté qu'en Europe, le taux de personnes contaminées par rapport à personnes décédées est élevé, contrairement aux autres pays, parce qu'ils sont gâtés dans médicaments, ils sont gâtés dans l'hôpital. Donc, à force de prendre des médicaments, ils ont déjà dégradé leur système immunitaire. Donc, ça les tue beaucoup plus vite. C'est pourquoi ils sont morts en pagaille et tout ça. Donc, bref, la pandémie de la peur était la première pandémie qu'il fallait maîtriser, qu'il fallait canaliser. Et nous avons réussi à canaliser tout en amenant les gens à être responsables et à respecter les mesures dictées par les autorités. Donc, ne pas avoir peur ne veut pas dire être un pagailleur ou un indiscipliné. Donc, ça a été la première bataille que nous avons gagnée à travers notre activisme pendant la période dite de coronavirus. La deuxième pandémie, c'est la pandémie de la certitude de l'OMS. Vous savez, quand les experts, les médecins parlent, tout le monde pense qu'ils connaissent tout. Donc, s'ils disent, c'est que ça va arriver. Mais c'est faux. Ils ont dit qu'il y aura un pic en Afrique. Il n'y a pas pic. Actuellement, ils se cherchent. Ils dépendent des milliards pour comprendre pourquoi. Parce que le mental de l'Africain a été préparé à affronter ça. Il n'y a de chic que si les visages qui sont mous. Il n'y a de chic que si les visages qui sont mous. Coronavirus va terrasser ceux qui sont préparés à être terrassés. Mais ceux qui sont préparés et qui savent que Dieu les protège contre tout et contre tous. Ceux qui savent que Dieu est leur bouclier, ceux qui, je ne vais même pas me fatiguer à vous dire, prenez un truc de pratiquement pour rien. Prenez Psaume 91, lisez-moi Psaume 91 au moins trois fois par jour. Vous ne pouvez pas souffrir de coronavirus ou de quoi que ce soit. Psaume 91 seulement. Les gens me parlent d'esprit de nuit, esprit de ceci. Lis Psaume 91 tout le temps avant de dormir. Tu ne peux pas souffrir d'esprit de quoi que ce soit. Donc bref, c'est pour dire qu'on n'est pas préparé. On est vulnérable. Et puis, coronavirus est venu. Et l'OMS a commencé par jouer son expertise. Oui, il y aura pic ici. Vous voyez, les États-Unis, on a annoncé pic. Personne n'était là pour balancer pic ailleurs. On a balancé pic ailleurs en Afrique. Et c'est parti aux États-Unis. Alors, eux aussi de balancer ailleurs. Donc bref, c'est pour dire... La deuxième pandémie, c'est la pandémie de la certitude de l'OMS. Le médecin n'est sûr de rien. Retenez aujourd'hui que le médecin n'est sûr de rien. Rien. Absolument rien. Mieux, je l'ai dit sur ce plateau, je vous le répète, ne laissez pas vos parents dormir à l'hôpital. Parce que tous les malades qui sont passés par là et qui sont morts ont laissé des phrases dans le mur de l'hôpital. Si vous dormez dans la chambre, les mêmes phrases passent dans votre cerveau et vous programment de la même manière qu'ils ont été tués. J'ai dirigé une polyclinique, dont je tais le nom. La chambre 3 de cette polyclinique-là, tous les malades qu'on a mis là étaient décédés. Tous les malades, sans exception. Mais c'est quand je suis devenu coach que j'ai compris. Si le premier malade a dit des choses qui ont causé sa mort et que le mur a enregistré ça, tout malade qui passe par là, la nuit, il reçoit tout ça dans son cerveau. Je vais vous donner le cas d'une merveilleuse dame en Côte d'Ivoire qui, elle dit qu'elle a grandi en Europe, donc tout le temps c'est hôpital. Maintenant, elle avait des douleurs à la poitrine. Elle veut aller à l'hôpital. Il y avait un embouteillage sur la route. Elle dit à son mari, reviens. Elle fait programmation d'abord, c'est-à-dire répétition de phrases positives sur soi-même. Et après, elle dit, après trois détours, elle est allée quand même à l'hôpital. Et mes phrases passent dans sa tête. Si ça ne dépend que de vous, ne dormez jamais à l'hôpital. Si ça ne dépend que de vous, ne faites jamais de bilan de santé. Et résultat, elle dit au monsieur, qu'est-ce que tu veux faire comme analyse? Il dit, je veux faire fibroscopie pour vérifier ulcère. Il dit, s'il y a ulcère, tu vas prescrire quoi? Le gars prescrit. Elle va à la maison, elle prend les compléments alimentaires, elle programme trois jours, elle est totalement guérie. Oui, c'est-à-dire qu'il faut que nous puissions
comprendre que les médecins ne sont sûrs de rien. Mais ils sont obligés, dans leur posture, parfois ils sortent, ils vont chercher Sérodiagnostic de Vidal, un livre qu'ils lisent dans le couloir, et ils reviennent. Oui, vous savez, vous allez prendre... C'est de leur nature de jouer, je suis sûr de tout. Sinon, ils ne sont sûrs de rien, ce n'est que des essais. Je vais vous donner un exemple. J'ai un collaborateur dont l'enfant était à l'hôpital. Un enfant de 2 ans et demi qui était à l'hôpital. Et pendant 5 jours, ils sont en train de faire ce rhum. Donc, plus les jours passaient, plus le monsieur s'inquiétait. Un jour, il m'écrit. Il dit, coach, ça fait 5 jours. Est-ce que mon enfant n'est pas en train de mourir? Je dis, non, je vais t'expliquer. Depuis 5 jours, ils sont en train de faire des essais. Ils n'ont pas encore trouvé le problème et comment le résoudre. Donc, ce n'est pas que c'est en train de s'aggraver. Non, c'est qu'ils n'ont toujours pas trouvé. Il allait voir le médecin. Le médecin a dit, c'est exactement ça. On n'a pas encore trouvé. Ce n'est pas que ça s'aggrave. Oh, vous savez, quand vous avez un parent à l'hôpital et que quelques jours après, il n'est pas sorti, on pense que la situation est en train de s'aggraver. Non, le médecin est en train de chercher. Il n'a pas encore trouvé comment résoudre le problème. Il ne sait même pas encore ce que c'est. Donc, c'est pour ça qu'il prend du temps. Mais il n'a pas expliqué ça. Résultat, les parents paniquent. Et j'ai dit au monsieur, calme-toi. Après avoir fait tous les essais, ils vont trouver finalement une formule qui va marcher. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Et ils sont retournés à la maison. Donc, c'est pour dire, le médecin n'est sûr de rien. Il ne fait que des essais. Et donc, cette certitude, il fallait briser. La troisième pandémie, c'est ça, Covid-19. Mais aussi, les gens ne savent pas écouter. L'OMS dit que Covid-19 ne tue pas. Ce n'est pas Covid-19 qui tue. C'est-à-dire que si tu avais des maladies dans le corps, si tu avais une situation désagréable dans le corps, Covid-19 vient laisser le terrain favorable pour que cette maladie, cette chose qui était là, tue la personne. Ça veut dire qu'au lieu de se battre contre le coronavirus, chacun doit faire l'effort de renforcer son système immunitaire afin que, quelles que soient les circonstances, le système immunitaire puisse être à la hauteur pour affronter et vaincre Covid-19. Donc tout ça là n'a pas été expliqué. Et c'est ce que nous avons fait pendant cette période en expliquant aux gens comment faire en sorte qu'avant Covid-19, on soit là et après Covid-19, on soit là. De toutes les façons, je répète encore une fois, aucun de mes collaborateurs n'a attrapé Covid-19 et aucun de mes collaborateurs n'attrapera Covid-19. Alors, coach Poyon, Covid-19, opportunité ou problème finalement? Opportunité. Opportunité. Pourquoi? Parce que, vous savez, moi, en tout cas, moi, je n'ai fait une opportunité. Je le disais à mes collaborateurs et je l'ai démontré. Ce que nous avons fait comme recette, pendant la période de Covid-19, on n'a pas fait pendant les 10 dernières années. J'ai fait 6 mois sans sortir. Je n'ai pas vu le portail. Je n'ai pas vu le portail pendant 6 mois. Je suis resté au 3e étage du bâtiment. Je descends au 2e étage où il y a le restaurant. Je mange et je repars en haut. Je fais sport et tout en haut. J'ai fait 6 mois sans voir le portail. Mais en étant en haut, avec les réseaux sociaux et au travers du monde, j'ai produit de la richesse pour les entreprises que je dirige au travers du monde. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour dire que, en réalité, moi, ce que nous avons payé comme impôt pendant la période de Covid-19, dans les différents pays où on a des entreprises, même dans le Togo où on vient de créer une nouvelle entreprise anonyme, les gars des impôts nous ont dit, on n'a jamais eu une entreprise nouvellement créée qui, avant la date des impôts, arrive toujours demander sa situation et paie à bonne date. Pourquoi? Parce que ça aussi, on va faire un article scientifique là-dessus bientôt. Payer des impôts, c'est se mettre à l'abri des complications, c'est se mettre à l'abri des embêtements. Payer des impôts, c'est être tranquille et disposer sur son argent, c'est-à-dire à visage découvert, parce que tu as payé les impôts qu'il faut. Donc bref, c'est pour dire que ce que nous avons fait de Covid-19, c'est une opportunité géniale pour réorganiser tout. Je donne un exemple. On faisait les rencontres hebdomadaires en salle pendant la période de Covid-19 où c'était interdit. On a trouvé la possibilité de le faire en ligne. Le monde entier pouvait me suivre en ligne sans être obligé, que tu sois à Cotonou, que tu sois à Lomé, que tu sois à Abidjan, que tu sois à Cécile. Donc, c'est pour dire, je vous dis ceci. Est-ce qu'on peut fermer le passage de l'eau? La réponse est non. L'eau trouvera toujours son passage. Il va modifier jusqu'à trouver son passage. Et chacun de nous est supérieur à l'eau. Donc, ce n'est pas normal qu'on puisse dire qu'on nous a empêchés de faire quoi que ce soit à cause de Covid-19. Tout est possible à celui qui croit que c'est possible. Covid-19 est une opportunité pour celui qui croit que c'est une opportunité. Je vais vous dire ceci. Le vrai secret des hommes riches, c'est qu'ils croient toujours qu'ils vont s'en sortir. Le vrai secret des hommes riches, c'est qu'ils croient toujours qu'ils vont s'en sortir. Alors que chacun se dise, Covid-19 ne peut pas être un problème parce que Dieu a dit, je ne vous éprouverai pas au-delà de vos capacités. Alors, quelle que soit l'épreuve, c'est que Dieu t'a donné la possibilité d'échapper à ça. Nous devons échapper à ça et avancer.
En 6 mois, Coach Poyon, vous avez sorti une thèse de 3 articles scientifiques, 4 livres. Vous avez même tenu un sommet mondial pour l'emploi et le décollage. Quel est votre secret? Ah, mon secret, c'est ça. Je crois que tout ce qui arrive a une explication et Dieu ne nous éprouvera pas au-delà de nos capacités. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui trouvent le diable partout. Non, le diable n'a rien à voir. Lorsque je vais au BPC, j'ai une épreuve devant moi. Lorsque je vais au bac, j'ai une épreuve devant moi. Lorsque je veux passer la licence, j'ai une épreuve devant moi. C'est la même chose. Les épreuves sont un examen que Dieu met devant nous pour nous permettre d'accéder au grade supérieur. Et c'est ce que je fais. Donc tout a été une opportunité pour moi. Je vais vous donner un exemple. Vous connaissez mon calendrier. C'était une semaine à Cotonou, une semaine à Parakou, une semaine à Yaoundé, une semaine à Douala, une semaine au Mali, une semaine ceci. Mais Covid-19 a été une excuse pour moi pour ne pas répondre à toutes ces sollicitations. Et j'étais tranquille. En science de l'efficacité, on dit le mouvement grossit le coût de revient. Le mouvement est un gaspillage. Bref, je n'ai pas eu de mouvement à faire. Je suis resté sur place pendant 6 mois. Résultat, j'ai viabilisé le temps. J'ai utilisé le temps à bon escient. J'ai rajeuni, comme vous avez vu. J'ai pris de l'embonpoint, comme vous avez vu. Et tout ça. Donc vraiment, j'ai eu du temps pour moi-même. Du temps pour m'organiser. Du temps pour travailler. Et c'est pour ça que nous avons pu sortir un article et une thèse de 3 articles scientifiques. En 6 mois, une thèse de 3 articles scientifiques et 4 livres. 4 livres. Le génie comme et la science de l'efficacité, le génie commercial, le chemin de l'enrichissement, les 10 pouvoirs du développement personnel. Voilà 4 livres qui sont sortis dans la période de 6 mois. C'est ça, l'efficacité, c'est ça que nous prenons aujourd'hui. Nous avons parlé plus haut de la thèse et donc des articles scientifiques. Parlons à présent des livres que vous avez sortis. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails sur ces livres? Je donne l'exemple, par exemple, des 10 pouvoirs du développement personnel. Si vous activez les 10 pouvoirs, un pouvoir permet de gagner quelque chose. Vous activez les 10 pouvoirs du développement personnel, vous changez totalement votre vie. Le pouvoir d'abord de mettre l'amour au cœur de tout. La plupart des êtres humains ne s'aiment pas eux-mêmes. Ils supportent de travailler dans des conditions qui les dégradent, mais ils ne s'aiment pas pour refuser ça. Ils ont peur qu'en refusant ça, ils soient au chômage. Manque d'amour de soi, manque de confiance en Dieu, manque de foi en Dieu. Ensuite, ils n'aiment pas les autres souvent. J'ai demandé à une femme, si ton mari ne peut être heureux qu'avec une autre femme, est-ce que tu accepteras de le laisser partir avec l'autre femme? Elle dit jamais. Donc tu ne l'aimes pas. Si tu l'aimes, tu vas chercher son bonheur. Si tu l'aimes, tu vas chercher qu'il soit heureux. Bref, on n'a pas mis l'amour au cœur de tout. Ce pouvoir-là va jusqu'à la responsabilité. Oui, être responsable de ma vie afin de corriger ce qui ne va pas. Ça va aussi jusqu'au pardon. Celui qui ne pardonne pas ne peut pas être heureux. Bref. Voilà un seul pouvoir. Vous avez le pouvoir du détachement. Ce que je peux faire, je fais. Ce que je ne peux pas faire, je laisse Dieu s'en charger. C'est lui qui s'en charge quand ça me dépasse. Quand ça ne me dépasse pas, je gère. Quand ça me dépasse, je laisse Dieu s'en charger. Troisième pouvoir du développement personnel, le pouvoir de choisir les croyances qui vont gouverner ma vie. Oui, je suis chrétien évangélique, mais ce n'est pas pour ça qu'on va me faire avaler n'importe quoi. Je ne suis pas là pour que quelqu'un vienne me dire que mes parents sont diaboliques. Je n'accepterai pas ça. Je choisis les croyances qui vont gouverner ma vie. Ensuite, le 4e pouvoir, le pouvoir de reconnaître sa valeur fondamentale. Je suis important, je suis important, je ne suis pas n'importe qui. Ça là, je dois l'admettre et ne pas accepter qu'on me piétine. Parce que chaque fois qu'on me piétine, on piétine Dieu en moi. Le pouvoir de la générosité, le pouvoir de trouver du sens à ce que je fais ou abandonner. Si ça n'a pas de sens, j'abandonne. Parce que je dois trouver un sens émotionnel. Je dois trouver une satisfaction émotionnelle à ce que je fais ou j'abandonne. Le pouvoir de rompre avec le passé pour pouvoir vivre le présent. Le pouvoir de choisir, de contrôler mes pensées. Le pouvoir dans la sagesse des Bushman du Kilari. Le pouvoir de la générosité. Bref, les 10 pouvoirs du développement personnel donnent à chacun de pouvoir activer la joie, le bonheur, la santé, la prospérité et tout dans sa vie. Ensuite, nous avons sorti un livre sur la science de l'efficacité. Vous savez, l'efficacité doit revenir au cœur du tout parce qu'il y a de la concurrence entre les entreprises. Entre une entreprise efficace et une entreprise non efficace, il n'y a pas match, il n'y a pas comparaison. Donc bref, nous avons sorti un livre où nous avons expliqué ce qu'est l'efficacité et comment on peut garantir l'efficacité dans une entreprise, dans une association et autres. Ensuite, nous avons sorti le génie commercial. On ne sait pas vendre. On ne sait pas vendre. Il faut régler. Je vous ai dit 40 000 personnes. Je suis resté sur étage avec les réseaux sociaux. J'ai mobilisé 40 000 personnes pour une formation sur Telegram.
tout, la plupart ne connaissaient pas Telegram. Si WhatsApp avait la possibilité d'avoir des milliers de personnes, je vous assure qu'on aurait fait 200 000 personnes. Mais comme WhatsApp n'avait pas cette possibilité, on a pris Telegram. Mais tout le monde découvrait Telegram à travers notre message. 40 000 personnes qu'on a pu mobiliser par la stratégie commerciale qui a été mise en place. Ensuite, après le génie commercial, le chemin de l'enrichissement, le peu d'argent qui vient dans ma main, comment je gère ça pour avoir encore plus d'argent? Le peu d'argent qui reste dans ma main, comment je gère ça? Voilà des livres que nous avons sortis qui changent la vie d'un individu, la vie d'une entreprise et tout. Bref, c'est pour dire que tout ça là, c'est de la science. Quiconque emprunte le même chemin aboutira au même résultat. Alors, coach Poyon, à vous entendre, on a comme l'impression que qu'il suffit d'aimer son prochain, de s'aimer soi-même, d'être généreux, d'avoir l'amour et du autre. Prochain et autres pour être heureux. Mais vous ne vous attardez pas non plus sur la condition. Il ne suffit pas d'être généreux pour être heureux. Vous ne pouvez pas donner... Tout à l'heure, vous avez dit qu'on peut donner de l'emploi à quelqu'un, mais qui va se retrouver encore dans le chômage. Il y a des conditions à tout, en réalité. Mais ce sont ces conditions qu'on met dans les 10 pouvoirs du développement personnel. Je donne un exemple très simple. Si je suis capable de déterminer ma valeur fondamentale, vous comprendrez que, d'abord, si je suis capable de mettre l'amour au cœur de toute chose, j'active Dieu en moi. Je m'aime. J'aime les autres. Ça veut dire que si je prends l'emploi de quelqu'un, je vais le faire avec amour. Est-ce qu'il va me renvoyer si je fais son emploi avec amour? C'est ça. Donc, si j'active ces pouvoirs-là, je règle en réalité ces conditions. C'est ça que nous avons appelé tout à l'heure le combat de caractère. Il faut que nous ayons le caractère approprié pour que les bénédictions nous parviennent. Tout est prévu pour nous. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Le milliard est prévu pour Mme Ourou. La bénédiction, tout. Je vais vous donner un exemple très simple. Vous recevez un invité ici. Si vous avez l'amour de vous-même, l'amour de l'invité, ça peut le toucher pour qu'il dise, bon, Mme Ourou, vous êtes au Bénin dans une rédaction. Pourquoi ne pas vous donner une place à telle télévision? Je ne vais pas citer une télévision pour ne pas faire de concurrence aux autres, mais telle télévision aux États-Unis, telle télévision en Europe, avec les conditions qu'il faut. Donc, c'est la façon dont je suis, dont je fais les choses qui va amener la personne à me donner des opportunités. Je vais vous donner un exemple. Vous prenez Gohou. Gohou était dans les rues d'Abidjan en train de vendre de l'eau glacée. Gohou était en train de faire Chouzbeka. Quand il tombe sur Daniel Koussak, qui est un Français, qui le met dans les guillotines d'Abidjan, et sa vie a changé. Il a fallu qu'il tombe sur quelqu'un. Il a fallu qu'il tombe sur quelqu'un. Alors, s'il tombe sur quelqu'un, nous tombons tous sur quelqu'un. Mais est-ce que nous avons le caractère qui fait que la personne nous remarque pour pouvoir nous donner notre chance? Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Donc, c'est tout simplement ça. Faisons les choses comme il faut et nous gagnerons tout ce qu'il faut. Donc, il s'agit de se donner un caractère. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il est possible de changer le caractère de quelqu'un? Oui. Vous savez, la parole crée des pensées. Les pensées créent des réalités. Les réalités créent des habitudes. Les habitudes créent un caractère. Si je change mon discours, ainsi de suite, je vais changer mes pensées. Avec mes pensées, je vais changer mes réalités. Avec mes réalités, je vais changer mes habitudes. Avec mes habitudes, je vais changer mon caractère. Il est possible de changer. Et quand je change mon caractère, je change le destin que je construis moi-même. Pas celui que Dieu a prévu, qui est paix et bonheur pour tout le monde. Mais le destin que nous réalisons n'est pas celui que Dieu a prévu, parce que par notre langage, nous modifions le plan de Dieu pour nous. Il faut restituer le plan de Dieu. Il faut ramener le plan de paix et de bonheur. Et pour ça, changeons de discours et ne compliquons pas notre vie par notre bouche. C'est notre bouche qui a compliqué notre vie. Tout à l'heure, coach Poyon, en parlant, vous avez dit que vous étiez dans un cercle où... Enfin, un cercle d'amis où... Personne ne parlait d'argent. Personne ne parlait d'argent. Pas de problème d'argent. Mais il a fallu que vous élargissiez votre champ pour commencer par entendre ce genre de plainte. Est-ce que cela ne prouve pas réellement que les réalités ne sont pas les mêmes? Effectivement, les réalités ne sont pas les mêmes. Mais quand on atteint un certain niveau, naturellement, on se fait des amis de ce même niveau-là. Je veux dire, quand je commence par... Pas réussir. Je commence par tomber sur des personnes qui réussissent. Et oui. Je me fais des amis de ce genre-là. Oui. Ce qui fait que les réalités... De ce, pas que je les ignore, mais peut-être qu'on ferme peut-être les yeux dessus. Non, c'est pas ça. C'est que dans mon environnement, les gens suivent le tonus matinal tous les matins. Dans mon environnement, les gens se retrouvent tous les jeudis pour que celui qui est en train de réussir édifie les autres. Dans mon environnement, les gens font de la parole transformatrice sur eux-mêmes. Ça fait qu'à un moment donné, nous avons changé notre état d'être.
Et effectivement, lorsque vous changez votre état d'être, vous commencez par fréquenter des gens liés à votre état d'être actuel. Mais le problème, c'est que je me suis retrouvé avec des gens qui découvraient le vrai développement personnel, qui découvraient le vrai coaching. Donc, c'est maintenant eux veulent commencer le processus. Donc, c'est normal qu'ils aient des problèmes. Je vais vous donner un exemple. Il y a un monsieur que j'ai rencontré sur Full Gospel. Il est le président national du Full Gospel dans un pays. Le Full Gospel, dont j'ai été le président national pendant longtemps au Mali, me demande de faire une conférence. Je fais la conférence, il me rencontre là-bas. Le lendemain, il m'écrit, il dit, il veut être coach. Je dis, OK, voilà les conditions pour être coach. Il dit, à l'instant où je parlais, il n'avait pas un franc. Donc, il ne sait pas comment payer. Le lendemain, je lui envoie un tonus. Et le tonus dit, tout est possible à celui qui croit que c'est possible. Change de discours et tu vas changer ta vie. Il dit, il a passé toute la journée à répéter, si c'est vrai que ça dépend de ma bouche, moi, je vais trouver l'argent pour faire ça. Il dit, vers 15 heures. Lui qui n'a pas de contrat depuis que le coronavirus a commencé, on l'appelle vers 15 heures pour lui donner un contrat. C'est avec ça qu'il a payé la formation, il a fait la formation. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a changé la parole. La parole a changé les pensées ont changé les réalités. C'est aussi simple que ça. Ici sur GovTV, moi j'ai fait une émission et j'ai dit, si vous voulez quelque chose, fermez les yeux, répétez la chose jusqu'à conviction. Un monsieur dit quelqu'un lui doit 5 millions. Il a coupé la télé, il a fermé les yeux. Pendant des heures, il a répété, j'ai mes 5 millions aujourd'hui. Il dit, il a répété jusqu'à conviction. Il est sorti, il est allé chez le monsieur. Arrivé là-bas, le monsieur lui dit, je voulais t'appeler, ton agent est prêt. Il a pris son agent. Et pour la petite histoire, pour vous montrer que je ne le connaissais pas, il quitte là-bas et il connaît un de mes beaux-frères. Et il va chez mon beau-frère. Il dit, j'ai suivi un monsieur maintenant à la télé. J'ai appliqué. Voilà, j'ai eu les 5 millions cash. Et mon beau-frère dit, c'est mon beau-frère direct. C'est le petit frère de ma femme. Et il répond au monsieur, et toi, tu es dans cette condition-là. Toi, tu as la chance d'avoir un coach pour eux dans ta famille. Et tu n'appliques pas ces outils. Moi, j'ai appliqué tout de suite. Voilà le résultat. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut que nous puissions cesser notre arrogance en griffe. Un monsieur a témoigné la dernière fois. Il dit, lui me suivait depuis 2012. Qui me suit à la télé. Mais chaque fois, il dit, bon, c'est une façon de parler. Maintenant, quand on voulait faire le sommet mondial de l'emploi du décollage en ligne, les 40 000 personnes là, il dit, je lui ai envoyé l'invitation, il a effacé comme d'habitude. Maintenant, c'est son grand frère qui a effacé, envoyé. Il ne peut pas dire non au grand frère. Donc, à cause du grand frère, il s'est mis dessus. Il dit, tous les jours, le grand frère l'appelle pour demander s'il a suivi. Donc, il était obligé de suivre. Il dit, ça a transformé totalement ma vie. Nous devons, les amis, je ne vous demande pas, paie telle somme pour avoir accès à ça. Je dis, fais en sorte que dès demain matin, le tonus de demain matin parle de quoi? La discipline pour tout réussir. Le tonus de mardi matin parle de quoi? L'homme qui plaît à Dieu. Voilà des choses simples. Des vidéos qu'on te donne gratuitement, que tu utilises ta vie change. Si nous décidons de changer de vie, nous allons changer de vie. De la même manière, on décide de boire du café, on prépare du café, on boit du café. De la même manière, on décide d'être riche et heureux. De toutes les façons, moi j'ai dit ceci. Si l'homme ne fait pas ce qu'il faut pour se qualifier pour que Dieu le bénisse, comment voulez-vous que Dieu bénisse quelqu'un qui ne fait pas? Est-ce qu'un parent va donner de l'encouragement à un enfant qui ne veut pas faire ce qu'il faut pour être heureux, pour réussir et tout ça? C'est aussi simple que ça. Je l'ai dit tout à l'heure, à partir tous les matins, du lundi au vendredi, tous les midis, de 13h à 14h au ciel, c'est gratuit. Tu viens. Il y a des spécialistes là, des autorités là. Pendant une heure, on fait la programmation sur soi-même. C'est-à-dire les paroles transformatives sur soi-même pendant 45 minutes. Après ça, on boit ensemble les compléments alimentaires. On ne te demande pas un franc pour ça. Et tu rentres chez toi, tranquille. Et tu as la santé. Maintenant, toi, tu refuses de sortir. Après, tu écris à Coach Poyo, oui, je suis malade. Le docteur a dit que c'est cancer. Qu'est-ce que moi, je vais faire? Je ne suis pas un magicien, non. Les outils sont disponibles pour tout le monde. Tout le monde utilise, tout le monde gagne. Tu utilises mieux que moi, tu vas gagner mieux que moi. C'est ce que nous proposons. Alors, coach, à quand les formations sur les livres? Bon, nous avons déjà fait la formation sur le chemin de l'enrichissement. Nous avons fait ça. Nous envisageons très prochainement une formation sur le génie commercial, savoir vendre. Savoir vendre. Si on ne sait pas vendre là, on ne peut pas. Tout est vendre dans la vie. Tu dois vendre tes idées. Tu dois vendre ta volonté à ton conjoint. Tu dois vendre ton envie de voir ton enfant réussir. Tout est vente. Hein, tout est vente. Nous avons fait le camp de cette année, le camp des enfants. Nous leur avons dit l'année prochaine, chacun va venir avec son bulletin. Celui qui aura la meilleure note va partir avec une moto neuve. Voilà, on a vendu notre rêve de les voir avoir la meilleure moyenne possible. Et les enfants vont se battre pour avoir la meilleure moyenne possible afin de gagner cette moto. Voilà comment ça se fait. Donc tout est vente. Nous allons apprendre à vendre. C'est-à-dire que quand on dit vente, c'est quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes créent des boutiques. Alors qu'aujourd'hui, on peut créer une boutique en ligne
Il faut apprendre à utiliser les réseaux sociaux. Il faut apprendre à vendre sur les réseaux sociaux. Il faut apprendre. Je vais vous donner un exemple. Je connais une dame, elle était au marché d'Antoba. Elle avait un truc de vente de montres. Ça a fait faillite. Maintenant, elle est à la maison. Elle prend les montres. Elle met sur les réseaux sociaux. Les gens commandent en faisant mobile money. Elle va au marché, elle prend, elle va les vendre. Elle prend son bénéfice. Bref, nous devons apprendre à vendre. Et c'est ça, ma prochaine formation est sur en ligne. C'est-à-dire, tu es chez toi. La nuit, moi, je fais le cours. Le matin, tu te réveilles, tu vois le cours, tu écoutes. C'est aussi simple que ça. Les cours, voyez Covid-19, opportunité. Au lieu de faire les cours en salle où c'est seulement les gens de Cotonou, les gens de Lomé, c'est tout le monde entier qui peut suivre une formation. On fait le cours la nuit, tu te réveilles le matin, le cours est là, tu écoutes. C'est aussi simple que ça. Donc, bref, le prochain, nous allons faire le génie commercial. Cette année, on ne peut pas faire plus que ça. On ne peut faire que le génie commercial cette année. L'année prochaine, on va faire les autres. Parce que le calendrier est assez chargé. Nous avons le sommet mondial pour l'emploi qui doit se tenir à la fin de l'année, qu'il faut préparer. Donc bref, c'est seulement le génie commercial qui va venir dans les jours à suivre. On n'a pas encore de date et tout ça. Si les gens prennent les contacts tout à l'heure, rentrent dans la base de données, ils vont suivre les tonus gratuitement. Ils vont suivre les programmes et ils auront l'information s'il y a formation après. De toutes les façons, on est ensemble pour gagner ensemble avec tous ceux qui veulent gagner. Parlez-nous justement de ce fameux sommet mondial sur l'emploi et le décollage qui a accueilli près de 40 000 personnes. Au fait, j'ai pris 40 000 personnes et j'ai décidé de leur faire une action de grâce. C'est-à-dire, Dieu nous a vraiment bénis en 2020. Énormément béni. Et là encore, je vais vous expliquer. Au 31 décembre, j'ai passé la nuit du 31 décembre dans un hôtel luxueux du Bénin. Hein, avec ma famille, on a passé la soirée. Ma famille est le plus proche collaborateur dans un luxe insolent parce qu'on est rentré dans la nouvelle année en nous faisant plaisir. Et ça a entraîné tout ce que nous avons gagné cette année. Donc bref, Dieu nous a vraiment bénis. On a décidé de bénir les êtres humains. Et c'est comme ça que nous avons offert une formation gratuite à travers les réseaux sociaux, sur Telegram, 40 000 personnes inscrites, 21 jours de formation, où on a véritablement secoué les vies. On a transformé les vies. À tout moment, si vous vous inscrivez aujourd'hui, vous contactez mes collaborateurs et ils vous mettent dans le forum. Vous repartez, c'est l'avantage de Telegram, vous repartez au 13 juillet. Et vous suivez à partir du 13 juillet tous les enseignements. Vous pouvez vivre le semestre comme si vous étiez dedans. Donc, c'est très important avec Telegram. Les données restent dedans. Donc, vous repartez, vous défilez en haut jusqu'au 13 juillet et vous commencez par suivre. Donc, bref, ça a été une formation où nous avons tout donné en détail. On a fait l'article scientifique sur la parole transformatrice. On a fait l'article scientifique sur les 10 pouvoirs du développement personnel. Et après, on a pris un à un. Le bonheur conjugal, l'emploi, et tout ça. On a pris un à un. 21 jours de formation gratuite. Toutes les nuits, j'étais en train de faire les formations. Le matin, les gens se réveillent seulement. Les formations sont là. Ici, ça a transformé des vies. 40 000 personnes au travers du monde. Il y a deux chefs d'État qui étaient dedans. Il y a au moins une vingtaine de ministres qui ont suivi et tout ça, qui ont eu leur vie transformée et tout ça. Donc bref, c'est un gros moment que nous avons eu à passer avec l'humanité et que nous allons répéter chaque année dans les mois de juillet. Ce serait ainsi chaque année désormais. Nous allons offrir le SMED gratuitement en ligne pour les uns et les autres. Voilà un peu ce que c'est que le SMED. Donc le SMED 2020 a été une réussite totale. Totale sur tous les plans. D'abord, réussite en termes de mobilisation. C'est vrai qu'on attendait 50 000, on a eu 40 000. Deuxième chose, réussite en termes de contenu transifié que nous avons donné aux uns et aux autres. Il n'y a pas celui-là qui a suivi le SMED qui n'a pas été transformé. Ça n'existe pas au plan mondial. Donc bref, ça a été un gros moment. 21 jours que nous avons offert gratuitement aux gens, c'est vraiment quelque chose de fort. Pourquoi nous avons fait ça? Pour élever le niveau de compréhension du coaching des gens, pour que ces personnes ne viennent les bluffer en faisant du n'importe quoi pour appeler ça coaching. Je pense que les prochaines fois, on devrait peut-être penser à inviter un de ceux qui bénéficient de ces formations-là pour venir véritablement témoigner sur le plateau. Évidemment, je serai très intéressé, même si je ne suis pas là. Même si je ne suis pas là, si on va voir la possibilité de la chose, vous allez avoir. Le jeudi passé, par exemple, j'ai pris au hasard une dizaine de personnes. Mais nous étions surpris de voir les personnalités qui étaient là, qui témoignaient de ce qu'ils ont gagné dedans. Il y a un monsieur, un papa de près de 70 ans qui a témoigné. Il dit après le SMED, il marchait et il est tombé dans un trou. Son pied est tombé jusqu'au niveau de la cuisse. C'est un policier qui est venu l'aider à sortir. Et il sort et il marche tranquillement. Rien, aucun problème.
Le policier dit, vous avez fait quoi? Il dit, je ne sais pas, hein. Moi j'ai fait le SMED. C'est peut-être ça qui me protège. Donc on a eu des témoignages mirobolants, extraordinaires, que les gens ont donné. Donc bref, c'est pour dire que véritablement, si nous décidons de ça, je ne suis pas sûr que le studio pourra contenir. Mais on va penser à ça, on va penser à négocier avec la direction commerciale pour que nous puissions avoir une émission, pour que vous écoutez à tout hasard, hein, des gens, hein, on va mettre des gens dans la salle, vous allez écouter à tout hasard. C'est tellement fort. De toute façon, pour le Sommet mondial de l'emploi, il y aura des émissions comme ça, beaucoup d'émissions comme ça, parce que nous allons faire assez de communication, pas de publicité, parce que vraiment l'effectif, vous savez qu'à cause de Covid-19, les effectifs sont limités, donc on ne peut pas prendre beaucoup de personnes. Donc on va au moins faire de la communication pour que les gens puissent profiter du témoignage des uns et des autres pendant la période du Sommet mondial, ce sera en décembre de cette année. Donc, si je vous résume, il n'y aura donc que le génie commercial comme formation. Comme formation cette année, oui. Les dates ne sont pas encore fixées, non, mais ça va durer combien de jours? Environ une quinzaine de jours. De toutes façons, c'est un chapitre par jour. Et nous avons environ une vingtaine de chapitres dans le génie commercial, dont un programme complet sur les réseaux sociaux. Tout ce qu'il faut savoir sur les réseaux sociaux pour pouvoir vendre à outrance sur les réseaux sociaux. Donc une vingtaine de jours, il faut prévoir une vingtaine de jours. Il faut prévoir une vingtaine de jours. Une vingtaine de jours, c'est-à-dire que tu te lèves le matin, ce n'est pas une formation où tu dégages des jours. Hein. Non, tu te lèves le matin, tu suis ça avant d'aller au boulot, c'est tout. Tu as besoin d'une heure maximum par jour pendant une vingtaine de jours, c'est tout. Et l'heure que tu choisis dans la journée, puisque le coup est là, il t'attend. D'accord. Ce sera payant? Oui, ça sera payant. C'est le génie commercial, c'est pour ATQM, mais ça, ce n'est pas pour l'association Fiat Monde. C'est une société anonyme qui a des charges, qui a des fonctionnements. Et donc, par rapport à ça, il va falloir que les gens déboursent. Ce soit au maximum autour de 50 000 francs CFA. Hein, ce n'est pas grand-chose que nous allons faire payer. Bon, les gens vont me dire 50 000 francs, c'est grand-chose pour certains. Bon, vraiment, ce n'est pas ceux-là que j'ai besoin dans cette formation. J'ai besoin de ceux pour qui 50 000 francs n'est pas un problème parce qu'il faut vraiment que nous puissions comprendre qu'il faut semer pour récolter. Donc, bref, ce sera autour de 50 000 francs que nous allons organiser ça. D'accord. Coach Poyon, c'est quoi Afrique Stratégie? Afrique Stratégie, c'est le prochain projet de Patrick Armand Poyon. Vous savez, nous avons dénombré 4 000 mandats électifs que des gens ont eu pendant les 5 dernières années. 4 000 mandats électifs qui vont être renouvelés dans les jours à suivre. Mais on a dénombré en Afrique aucun organisme de formation, de préparation des gens à pouvoir accéder au pouvoir et gérer le pouvoir. Aucun organisme de formation en stratégie n'existe en Afrique en ce moment. Aucun organisme d'accompagnement en stratégie n'existe en Afrique en ce moment. Nous reprochons plein de choses à nos chefs d'État, plein de choses à nos maires, plein de choses à nos députés. Mais qui les a formés? Qui a formé les députés en procédure parlementaire? Qui a formé les maires et autres en gestion des hommes? Qui a formé quelqu'un en gestion de ceci, en création de richesses? Qui les a formés en science de l'efficacité? Qui les a formés en l'art de communiquer juste pour personne? Donc, il y a un boulevard de personnes qui ont besoin de formation. Je vais vous donner un exemple très simple. La Côte d'Ivoire a décidé tout récemment de former les femmes politiques. Vous savez combien il y en avait? 8 000 femmes politiques qui ont besoin de formation, qui étaient là pour suivre une formation. Bref, il y a besoin de formation et d'accompagnement du personnel politique. Vous savez, quand quelqu'un est ministre, est maire, il a besoin de quoi? Attaché de presse. Qui l'a formé? Non, il ne suffit pas d'être simple journaliste pour être attaché de presse. Il a besoin de quoi? Il a besoin d'un directeur de cabinet. Qui l'a formé? Il ne suffit pas d'être administrateur pour être directeur de cabinet. Donc bref, il y a tout un boulevard de formation. Je vous dis 4 000 mandats électifs. Et vous prenez 4 000 mandats, vous voyez tout le personnel qu'il y a derrière. Il n'y a aucune structure pour former ceux-là. Et tout le monde sait qu'en termes de stratégie, en termes d'efficacité, tout le monde sait ce que je suis capable de faire. Donc bref, nous avons décidé de lancer une entreprise pour accompagner en termes de formation, en termes d'accompagnement au management, en termes de création de richesses, en termes d'anticipation et surtout, éviter aussi que des gens aillent se ridiculiser à des élections, perdent leur économie et tentent le suicide après. Donc tout ça là, c'est du travail. Il y en a aux États-Unis en masse, il y a de plus en plus en Europe, mais il n'y en a pas en Afrique. C'est pour ça qu'il faut régler ça. Donc Afrique Stratégie, c'est la prochaine entreprise que nous mettons en place pour pouvoir régler ce problème. Quelle est la suite pour le coach Poyon? Ah, la suite, c'est que bon, déjà, ce soir, je repars du Bénin, où je viens de faire à peu près un mois. Hein, je ne veux pas du Bénin aujourd'hui. J'aurai l'occasion de revenir très prochainement. Seulement, Coach Poyon, désormais, ce n'est pas Coach Poyon en tant que personne physique. Coach Poyon, c'est tous les jeudis à Cotonou,
dans le nouveau siège, le tout nouveau siège, un gros bâtiment qui a été pris. C'est l'ancien siège de l'Agence béninoise d'électrification rurale que nous avons pris. Et donc, tous les jeudis là-bas, à 19h, sous la direction, si je ne suis pas là, du général Tissou Félix Ressou, qui dirige les choses, quand je ne suis pas là, donc vous avez la possibilité d'aller rencontrer des personnalités qui vont parler de développement personnel, qui vont parler de vie de famille, qui vont parler d'entrepreneuriat et autres. Tous les vendredis à Soleil d'Afrique de Parakou, on a la même chose. Tous les mercredis à Porte-Novo, à Mbutu, on a la même chose avec de grands leaders, des commissaires à la hauteur de commissaire Tolomé, ancien fonctionnaire des Nations Unies qui dirige ça à Porte-Novo. À Parakou, vous avez l'honorable député Assé Akakpo qui dirige ça à Parakou. Vous avez Djougou, vous avez Boycon qui va commencer à la fin du mois. Vous avez Ouida qui commence le mois prochain. Bref, ça c'est pour le Bénin. À Lobé, c'est pareil. À Abidjan, c'est pareil. À Bamako, c'est pareil. À Ouaga, c'est pareil. À Douala, c'est pareil, à Yaoundé, c'est pareil, à Paris, c'est pareil. Donc, pratiquement pour eux, ce n'est plus un individu. Il faut aller profiter. Je vous donne un exemple très simple. Il y a un monsieur qui est en Allemagne. Il ne m'a jamais vu physiquement jusqu'à l'heure où je parle. Mais rien qu'à travers les formations en ligne, il est en vacancier, lui, au Togo. Mais ce qu'il est en train de cracher comme énergie, comme dynamisme dans les rencontres hebdomadaires, vous allez penser qu'il ne m'a jamais vu. C'est quand il va rentrer maintenant à Lomé que je vais le rencontrer. Donc, bref, c'est pour dire que Coach Pouillon, ce n'est plus un être humain, c'est moi. Non, c'est toute la machine, c'est tous les coachs, les 4000 et quelques coachs que nous avons formés au travers du monde. C'est les ambassadeurs du développement, c'est même des sympathisants. C'est ça, le Coach Pouillon, désormais, c'est ça, la vision. Et donc, les uns les autres n'ont qu'à se mettre dans les dynamiques pour retrouver santé, bonheur, fécondité, prospérité, emploi, joie et tout le reste. Le coach Pouillon, c'est également la formation, l'éducation des enfants. Où en êtes-vous aujourd'hui? Très bien. Vous savez, je savais, j'avais dit à mes collaborateurs que même si cette question n'est pas prévue, madame Ourou ne s'échappera pas à poser cette question. Vous savez, nous avons lancé un partenariat avec des écoles où nous prenons des enfants, comme vous le savez, et nous les inscrivons, nous les encadrons. Cette année, il y a encore des innovations. Désormais, les samedis matins, de 7h à 9h, systématiquement, les enfants ont du coaching. De 9h à 12h, ils ont informatique, ils ont anglais, ils ont instruments de musique. Systématique. Pourquoi? J'ai suivi le film Individu de Nelson Mandela. J'ai vu des joueurs, au lieu de s'entraîner sur le terrain, étaient en train de faire autre chose qui crée la réussite sur le terrain. C'est ce que nous faisons avec des enfants qui font du coaching, qui font de la musique, qui font de l'anglais, qui font de l'informatique, ils seront épanouis. Parce que les enfants ne savent pas pourquoi ils vont à l'école. Il faut leur donner quelque chose en échange d'obtenir d'eux de travailler en classe. Donc ça, c'est déjà l'une des innovations. L'autre innovation, c'est que nous sommes dans un bâtiment beaucoup plus confortable. Parce que vous savez que nous avons un système de tutorat où nous prenons une vingtaine d'enfants qui habitent directement chez nous. Nous sommes dans un bâtiment beaucoup plus confortable. Et comme le bâtiment n'est pas à côté de l'école, nous avons acheté un bus pour amener les enfants à l'école désormais le matin et les ramener à la maison. Ensuite, malgré le fait que nous sommes en partenariat avec un autre établissement, nous avons pris deux directeurs pour le secondaire, deux directeurs pour le primaire qui vont aller suivre les cours avec les enfants pour voir ce qui ne va pas, corriger ce qui ne va pas pour pouvoir accompagner les enfants dans la réussite. Et ce n'est pas tout. En dehors de ça, vous savez que sur le volet universitaire, nous formons les enfants sur 9 mois, nous leur donnons un stage de 3 mois et nous les recrutons parce que nous aussi, nous avons des entreprises concrètes, on a besoin de personnel. L'année première année, ils étaient 17, tous engagés. Vous avez l'année qui vient de finir, ils étaient 15, tous engagés. Et nous avons la promotion en cours qui a 1 mois de formation seulement, a déjà le niveau à la fin de la formation des autres. Parce que c'est beaucoup plus structuré. Ce n'est plus 10 métiers qu'ils apprennent, c'est 15 métiers qu'ils apprennent entièrement pour pouvoir sortir afin d'être polyvalent et faire choses là. Donc bref, le truc d'encadrement des enfants est de plus en plus structuré. Nous faisons en sorte de faire mieux. Je rappelle que c'est de la maternelle à l'université. De la maternelle à l'université, oui. Et comment ça se passe avec les tout-petits, surtout avec cette période de crise sanitaire? Crise sanitaire pour qui? Pas pour le coach Pouillon. Bref, vous savez, je vais vous dire, l'État même a eu le courage. Le Bénin a été l'une des expériences les plus réussies en gestion de coronavirus. C'est l'un des rares pays au monde à ne pas avoir fermé l'aéroport. C'est l'un des rares pays au monde qui n'aura pas une réduction drastique du taux de croissance. C'est l'un des rares pays à avoir terminé l'année scolaire, à avoir fait les examens, parce qu'eux, ils ont compris ce que nous avons compris, parce qu'on y a travaillé. Ils ont compris qu'en réalité, la peur tue avant les maladies. Bref, ils ont réouvert les écoles pendant que tout le monde disait que c'était impossible. Ils ont réouvert les écoles. Les écoles ont terminé. Les écoles ont passé les examens. Allez fouiller dans le monde. Rares sont les pays qui l'ont fait. En France, on a même pris les moyennes de classe
pour donner des examens aux gens. Plus de moyens de classe pour donner des bacs aux gens. Oui, parce qu'ils n'ont pas eu la possibilité de faire comme nous. Le Bénin a été une expérience réussie en termes de gestion de coronavirus. Je ne vais pas dire, inspirez-vous de moi pour qu'on pense que moi, je fais du charlatanisme, c'est de la science. Inspirez-vous du Bénin et vous allez comprendre que cette période de coronavirus n'a de problème que pour ceux qui pensent que c'est un problème. Alors, Coach Poyon, le réalisateur me fait signe déjà que c'est la fin de cette émission. Votre mot de fin. Mon mot de fin, c'est de dire à chacun et tous, vous avez constaté qu'au début de cette émission, Mme Ogou était étonnée d'un certain nombre de choses. À la fin de l'émission, elle n'était pas étonnée. Ce que nous vendons, ce n'est pas du charlatanisme, ce n'est pas des déclarations en l'air. C'est des explications précises, pointues, pour que chacun puisse comprendre. Vous allez voir, les contacts vont s'afficher. C'est à vous de cliquer pour créer le déclic. Si vous voulez, vous appelez. Si vous ne voulez pas, vous n'appelez pas. De toutes les façons, celui que Dieu a choisi de bénir fera le geste. Quand Dieu sonne l'heure, personne n'échappe au bonheur. Alors, je voudrais que ce soit votre heure et que vous n'échappez pas au bonheur. De toutes les façons, chaque fois que je serai de passage, je viendrai vous apporter les conclusions de mes recherches parce que c'est ça, le partenariat que nous avons ensemble. C'est un partenariat gagnant-gagnant. J'y suis, j'y reste. Je voudrais dire un coucou au PDG de GovTV qui ne cesse de créer les conditions pour que nous puissions vous apporter ce que nous savons faire. Pote Poyon, c'est du sérieux, c'est une science et c'est ce que nous partageons et nous allons continuer de partager. Surtout, retenez ceci, vous avez la possibilité plus que jamais de démontrer que vous êtes capable, avec ou sans coronavirus, de gagner. Il y a une phrase de programmation qui dit « L'argent n'est pas ma source, aucune personne, aucun endroit, aucune condition n'est ma source. Ma conscience, ma compréhension et ma connaissance de l'activité divine qui vit en moi est capable de tout me donner. » Alors croyez en vous et surtout, chantez tout au long de cette journée, chantez votre victoire. Dites que c'est fini, dites ça suffit. Ce que vous dites, vous le pensez et vous le réalisez. Décidez désormais de parler positif. Plus jamais de dénigrement de vous-même. À partir d'aujourd'hui, dites que vous êtes né pour gagner. Dites que vous allez gagner. Dites que 2020 est une année de victoire pour vous. Répétez ça tout le temps et vous allez vivre ça. Et surtout, nous, on a mis la clinique de la santé. C'est gratuit. Ça donne la santé. À toi de décider de vivre la santé. On a mis les rencontres hebdomadaires. On a mis les tonus. C'est à toi de décider. Profite de ça si tu veux. De toutes les façons, les gens en profitent. Et plus ils sont bénis, plus Dieu bénit ceux qui ont contribué à ça. Voilà ce que moi, je cherche, la bénédiction de Dieu. Excellent dimanche à vous et à très vite. Merci beaucoup à vous, Coach Poyon. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous avoir suivis. Je rappelle que le Coach Poyon est joignable. Le réalisateur a anticipé et a affiché les numéros là sur l'écran tout à l'heure. Voilà le 229 60 95 91 91, le 228 91 91 14 15. 228 toujours, 98 54 09 62 et enfin le 229 61 05 06 85. Je rappelle que le Coach Poyon est également sur les réseaux sociaux. Il vous suffit de taper Coach Poyon et vous aurez une très longue file d'actualité sur les activités du Coach Poyon. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous avoir suivis. Passez un très bon dimanche en compagnie des programmes de GovTV Africa.